On va se laisser 2 minutes pour ceux qui ont fait une pause cigarette ou autre après le workshop organisé par Roger. Ne me dis pas ça, j'ai arrêté de fumer lundi. Je ne me parle pas de pause cigarette. Lundi dernier. Ah oui. Bel effort. Comme tous les lundis. Bon début. Écoutez, je vous propose qu'on démarre, ça va faire arriver les retardataires. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à ce workshop sur la notion d'impact. Alors, le workshop était intitulé « Impact environnementaux et sociétaux », mais ce dont il est question là, c'est bien de nos impacts d'une façon générale et en tout cas, pas de censure sur les impacts auxquels on pourrait s'intéresser qui sont en lien avec nos activités. Alors déjà, peut-être je me présente, je ne sais pas si tout le monde me connaît. Donc, Antoine de Daruvar, je suis donc vice-président de l'université, mais aussi donc le porteur du projet ACT. Et ce workshop est organisé dans le cadre de ce projet. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le lancement officiel de deux grands projets du PIA, le projet Ubigrad, qui est porté par Roger Martin, ici présent, et le projet ACT, que je porte. Donc, on a eu ce matin la session formelle de ce kick-off meeting en présence de l'ANR, de représentants du MESRI et du SGPI. Et on avait choisi avec Roger d'organiser donc deux workshops aujourd'hui, un qui vient d'avoir lieu avec témoignage des EUR qui ont démarré il y a 2 ans, et maintenant ce workshop sur la notion d'impact. Cette notion d'impact, en fait, elle est inscrite dans le cadre du projet ACT. Le projet ACT a pour objectif d'essayer de faire bouger notre université pour en faire un campus expérimental. Donc, l'idée de créer des dynamiques qui réunissent à la fois les acteurs de l'université, la communauté universitaire, que ce soit les anciens chercheurs, les personnels BIATS, les étudiants, et également les acteurs du territoire à travers les représentants des collectivités territoriales, mais aussi le monde associatif et d'une façon plus générale, finalement, les citoyens, pour traiter localement des questions ou des problèmes, des problématiques qui se posent à nous, mais qui en fait correspondent à des grands enjeux. Ce qui est derrière le projet ACT, c'est de faire que l'université devienne un acteur important, reconnu des transitions, évidemment face à tous les défis que rencontre notre société et notre planète. Voilà. Donc, l'ambition est grande et pour ça, il faut faire un pas de côté. Et en fait, au cœur même du projet ACT est inscrit la nécessité d'une forme de révolution culturelle, mais c'est ce dont on va parler cet après-midi, c'est se dire ben, peut-être qu'on pourrait réfléchir à l'ensemble de nos activités un peu différemment. On est habitué, on nous a poussé d'ailleurs à développer une culture de la mesure de la performance. Donc, mesure d'activité, mesure de performance, eh bien là, on va regarder les choses un peu différemment avec cette notion d'impact. Donc, cette notion d'impact était présente au cœur du projet ACT. On avait annoncé, en dépendant le projet, qu'on allait lancer une réflexion. Le workshop d'aujourd'hui, c'est un premier pas. On espère qu'il va être pionnier et que les réflexions vont se poursuivre au-delà des échanges qu'on aura cet après-midi. Et la notion d'impact est revenue aussi pour ceux qui ont participé dans les réflexions sur l'élaboration du projet stratégique U30, dans les ateliers qu'on a eus participatifs, dans plusieurs des ateliers auxquels j'ai pu participer. Finalement, cette notion d'impact est revenue sur la scène. Et cette notion d'impact, finalement,
elle est de plus en plus usitée, et je dirais même que c'est presque un peu inquiétant parce que ça devient un buzzword et que j'ai vu apparaître la notion de « impact washing ». Je me suis dit que ça y est, la notion d'impact avait eu son succès puisque maintenant elle avait atteint, suscité les doutes même sur l'utilisation et qu'est-ce qu'on essayait de faire avaler derrière cette notion d'impact. Alors, d'où la nécessité, je pense, d'avoir cette réflexion collective pour s'approprier la notion d'impact, et d'où l'intérêt d'avoir avec nous quelqu'un que je remercie, donc Pierre-Benoît Joly, que Olivier Labial va présenter après, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à cette notion d'impact avant, depuis fort longtemps, avant que ça puisse devenir un buzzword. Donc, Pierre-Benoît, tu auras la mission de nous convaincre que ça a du sens de se poser la question de l'impact. Donc voilà la question qu'on va se poser aujourd'hui tous ensemble, c'est un peu quel sens on peut donner à cette notion d'impact. Et donc ce workshop est co-organisé, c'est une idée qui est émergée au sein du comité pour le développement de l'Université de Bordeaux. C'est une instance qui réunit le comité de direction de l'Université de Bordeaux, et puis partenaires, et parmi lesquels l'INRAE et Olivier Labial. Et c'est au cours de ces réunions qu'avec Olivier, on avait évoqué l'idée d'organiser un workshop qui va se dérouler maintenant. Et je vais laisser la parole à Olivier pour compléter cette introduction. Merci Antoine. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Olivier Labial, je suis le président du centre INRAE Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux. Alors, Antoine est bien modeste parce que ce matin, j'ai assisté effectivement à la présentation notamment de ACT et il a oublié de dire que effectivement l'université a été chaleureusement félicitée par le MESRI, par l'ANR, etc. sur ce projet, sur ses ambitions. Et je pense que ça nous conduit tous et toutes à avoir plus de responsabilités finalement hein, pour réussir effectivement à travailler sur ces notions-là. Donc, je suis, alors c'est beaucoup d'honneur qui m'est fait et qui est fait à INRAE que de me mettre co-organisateur de ce workshop parce que effectivement l'idée, c'est bien effectivement d'y associer INRAE, mais je pense qu'en termes de volume de travail sur l'organisation, les troupes, notamment autour d'Antoine et d'Alexandre, ont beaucoup travaillé à l'organisation. J'ai juste fait un peu de mise en relation et voilà. Donc, simplement, pour vous dire simplement qu'au niveau national, INRAE, dans son projet INRAE 2030, a l'intention de mettre l'accent sur ses politiques de site et que Bordeaux, en particulier, est site pilote. Avec l'objectif de parvenir dès cette année à la mise en place d'un contrat d'objectifs et de moyens avec des projets bien déterminés, que notre implication aux côtés de l'Université de Bordeaux, notamment dans ces grands projets, hein, que ce soit ACT, mais que ce soit aussi le projet UbiGrads ou le projet aussi de réseau d'universités européennes, tous ces projets-là, finalement, qui forment d'ailleurs un ensemble assez cohérent de notre point de vue sur ces notions effectivement d'impact sociétal, ben finalement, on est très heureux de les accompagner et on veut aller jusqu'au bout sur ces aspects-là. Alors, simplement pour vous dire deux mots pour ceux qui n'ont pas encore forcément exactement compris pourquoi INRA était devenu INRAE ou IRSTEA devenu INRAE, mais INRAE est né en 2020 de la fusion donc de l'INRA et d'IRSTEA pour donner finalement un organisme qui, finalement, est un des leaders mondiaux sur le triptyque agriculture, alimentation, environnement. Et évidemment, on a capté l'héritage un peu des deux institutions qui ont fait naître INRAE. Et parmi l'héritage, effectivement, du côté INRA, ben, on retrouve ce mot-clé, alors qu'il n'était pas effectivement à l'époque un mot banalisé, hein, mais la notion d'impact est née assez rapidement à l'INRA de manière historique et a été notamment utilisée dans une punchline assez célèbre hein, depuis quelques années à travers le mot-clé « science et impact », enfin la punchline « science et impact », tout simplement parce que l'INRA et maintenant INRAE travaillait et maintenant travaille de manière générale sur des enjeux de société et est attaché à la notion d'impact de ses recherches depuis un bon nombre d'années. Donc, ce n'est pas un hasard, effectivement, que l'EPST se retrouve à côté de l'Université de Bordeaux sur ACT et sur l'ensemble de ce que l'on va développer.
Et ce n'est pas un hasard de trouver un de nos meilleurs spécialistes, effectivement, Pierre-Benoît Joly, qui va intervenir tout à l'heure. Je présente tout de suite, il interviendra un peu plus tard. Alors, Pierre-Benoît Joly, d'abord, sa caractéristique, c'est que c'est mon alter ego, en fait, sur Toulouse. Il est président de centre, du centre de Toulouse. Au départ, il est ingénieur purpané. Voilà, je vais lire un petit peu son CV, quand même, qui est assez impressionnant, je dois le dire. Donc, il est ingénieur purpané, docteur en économie, habilité à diriger les recherches en 1995. Il est directeur de recherche INRAE. Il a été directeur de l'IFRIS, l'Institut francilien sur la recherche, l'innovation et la société, et directeur également du laboratoire d'excellence CIT de 2009 à 2014, et ainsi que directeur du laboratoire interdisciplinaire sciences, innovation et société, le LISIS, donc qui est une UMR de l'université Gustave Eiffel, qui doit être Paris-Est, je pense, de 2015 à 2019, assez récemment. Et il est président du centre, il est encore membre du LISIS, où il continue ses recherches, et il est en même temps président du centre INRAE Occitanie-Toulouse. Alors, il a travaillé sur la maîtrise sociale des dynamiques de construction des savoirs, de production des innovations, et à partir d'études variées sur les interactions entre science, démocratie, marché, il ambitionne d'analyser les transformations contemporaines de l'espace public, de la science et les nouveaux modes de gouvernance de l'innovation et des risques. Alors, il a été également à la Commission européenne, membre de plusieurs groupes d'experts sur la préparation de rapports sur les relations sans société, sur les stratégies et les politiques d'innovation. Et de 2011 à 2017, il a été membre des panels d'évaluation de l'ERC. Alors, il a coordonné plusieurs projets européens. Il a publié 6 ouvrages, coordonné 5 numéros spéciaux de revues scientifiques, publié plus de 120 articles. Et il a enseigné dans des institutions, nombreuses institutions, mais deux prestigieuses, notamment le HESS et Sciences Po. Donc, c'est notre guest star. Pourquoi ? Parce que aussi, il fait partie d'un collectif qui s'appelle AZIRPA. Et il va ici nous présenter la démarche AZIRPA, l'analyse des impacts sociétaux de la recherche, qui est une approche d'évaluation des impacts socio-économiques de la recherche à l'échelle d'une institution de recherche. Et cette méthode-là va nous permettre de comprendre, je pense tous, et de partager collectivement, effectivement, cette notion de culture de l'impact que l'on souhaite voir émerger au travers du projet ACT. Voilà, je vous remercie. Et je pense que je passe la parole à Yves. Alors, sur un mot, Alexandre, si tu peux partager le programme de peut-être le programme. Ouais. Donc, effectivement, Pierre-Benoît va intervenir dans un second temps, puisqu'il y aura une introduction qui sera faite par Eric. C'est Yves Duc qui va animer tout l'après-midi. Et donc, on a, comme vous le voyez, donc Pierre-Benoît va faire une présentation de la méthode AZIRPA. Et puis après, on a sollicité un certain nombre de collègues. Ils seront présentés avant leurs interventions, donc je ne vais pas le faire ici. L'idée étant finalement de compléter l'exposé de Pierre-Benoît Joly par un certain nombre d'éclairages sur la façon dont la question de l'impact se pose dans les activités, les projets des uns et des autres. Donc, tout ça permettra d'installer le débat qui aura lieu ensuite avec Pierre-Benoît et l'ensemble des intervenants. Et vous êtes évidemment tous invités à participer à ces échanges. Et je laisse donc tout de suite la parole à Yves pour animer D'accord. notre réunion. Donc, merci Olivier, merci Antoine. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Donc, l'idée en effet de ce workshop, c'est d'abord d'aborder à travers quelques présentations les différents aspects qu'on peut avoir derrière la mesure d'impact. D'abord, le pourquoi. Pourquoi on a besoin de mesurer l'impact ? Antoine a dit que c'est la troisième révolution du pilotage, après le pilotage par les moyens, par la performance. Maintenant, on est au pilotage par l'impact. Donc, pourquoi on en est arrivé là ? Et ensuite, quels critères ? Donc, pour quels critères on va mesurer cet impact ? Et puis, pour quand aussi ? Quelle temporalité ? On reviendra un peu sur la notion de temporalité. Quand est-ce que c'est le mieux de mesurer cet impact ? Et puis, pour qui ? Quelles peuvent être les cibles ? Voilà. Et ensuite, mais comment ? Voilà, la dernière question, c'est comment ? Quelles sont les méthodologies ? Et notamment, on verra une méthodologie associé donc à la mesure d'impact. Donc, on va essayer de répondre à ces différentes questions à travers les différentes interventions. Et la première intervention, celle d'Éric Massé, elle va d'abord répondre à la question du pourquoi, puisque dans le sens de l'anthropocène, ça sert à équiper la bifurcation, la mesure d'impact. Et ça, il va nous l'expliquer. Donc, Éric, il est professeur à l'Université de Bordeaux et directeur du département de Changes. Et je vais tout de suite te laisser la parole, Éric. Oui, merci. Donc, à la différence de la plupart des gens qui interviennent ici, je ne m'y connais pas tellement en impact, en fait.
Mais à la demande d'Antoine, qui pense que je m'y connais un petit peu en matière d'anthropocène, la question qui est posée, c'est au fond, comment, d'une certaine manière, resituer les discussions qu'on va avoir sur la notion d'impact dans une problématique plus large d'anthropocène. C'est ce que je vais essayer de montrer en 3 minutes, en fait. Donc, l'enjeu global pour tout le monde, en fait, c'est de répondre aux défis de l'anthropocène, notion sur laquelle je vais revenir. Et il me semble avoir compris que l'impact en tant que méthode, ça permettait précisément d'équiper la bifurcation. Alors, de quelle bifurcation s'agit-il ? Si on revient au sens, donc, du sens des mots anthropocène, hein, c'est l'anthropos kainos, c'est-à-dire le moment humain de l'histoire du système Terre. Et pour le dire en 2 mots, hein, ça décrit la pression, une pression anthropique exponentielle sur la zone critique du vivant qui rend l'humanité possible. Et supposément, peut rendre aussi l'humanité impossible. C'est ça tout l'enjeu, en fait. Donc, ce qu'on apprend à la fois des sciences du vivant, des sciences de l'environnement, mais aussi de toutes les révolutions épistémiques qui ont été faites au sein des sciences sociales sur les rapports entre nature, culture, humain et non-humain, ce qu'on découvre, en fait, c'est l'étendue, hein, cette extension des interdépendances et des vulnérabilités. Les défis de l'anthropocène, c'est rien d'autre que ça. Sachant qu'au fond, il y a 2 manières de sortir de l'anthropocène. La première, c'est la disparition des humains dans la catastrophe écologique. S'il n'y a plus d'humains, il n'y a plus d'anthropos. S'il n'y a plus d'anthropos, eh ben, on passe à une autre période du système Terre où il y aura, qui sera plus définie par cette pression anthropique du fait que, ben, il n'y aura plus d'humains pour faire de la pression anthropique. Grosso modo, c'est le scénario le plus probable à l'heure qu'il est. Par contre, on peut envisager expérience de pensée. Un deuxième scénario où on sortirait de l'anthropocène en réussissant la grande bifurcation. Mais cette grande bifurcation, elle suppose un principe de responsabilité de ces mêmes humains, hein, qui sont capables, au fond, de détruire les conditions mêmes de leur existence. Mais une fois qu'on a dit ça, ça suppose des compétences. Hein, ne bifurque pas qui veut. Et précisément, c'est ici qu'il me semble cette discussion qu'on va avoir sur la notion d'impact, hein, elle consiste, de mon point de vue, à équiper la bifurcation. Équiper aucun sens, c'est que ben, l'essentiel, y compris dans le travail de définition de la science et d'avancée de production des connaissances, c'est les questions de méthode. Donc là, au fond, il s'agit d'équiper la manière dont nous concevons et dont nous réalisons, hein, des décisions, y compris dans le domaine scientifique, des types d'objets, de la responsabilité qui s'engage dans le type de connaissances que nous produisons et éventuellement leur usage, l'investissement qu'on décide de mettre dans tel ou tel objet ou domaine. Comme ça vient d'être dit, on est au-delà de la performance comme objectif, hein, mais on est sur une approche de prise en compte des impacts. Et ce qui est intéressant, comme dit nos amis économistes, hein, c'est que la performance, c'est bien, mais il y a toujours des externalités, hein, ou des impacts négatifs et positifs. Et pendant assez longtemps, au fond, on ne prenait pas en compte les externalités négatives ou positives, ou dit autrement, les impacts négatifs et positifs qui, dès lors, peuvent être réinscrit dès la conception même des objectifs qu'on se fixe. Et donc, au fond, très trivialement, hein, ça consiste à réussir des projets qui conduisent à innover, qui conduisent à produire, qui conduisent à consommer sans épuiser et sans exclure. Voilà, me semble-t-il, l'articulation qu'on peut faire entre des deux notions, anthropocène et impact, au-delà, évidemment, du washing qui pourrait apparaître, mais ça me semble absolument central d'équiper la bifurcation compte tenu de ces enjeux. Très bien, merci. Merci Eric. Donc déjà, on a une première vision du pourquoi. Maintenant, on peut aussi se poser la question du comment, puisque mesurer l'impact, ça ne peut pas se faire par la magie. Donc, il faut arriver à outiller cette mesure et donc à avoir des méthodes pour le faire. Et ces méthodes, elles peuvent dépendre de domaines, elles peuvent dépendre des différents impacts qu'on veut mesurer. Et là, on va voir une première méthode par Pierre-Benoît Joly, qui est la méthode d'Azirpa, donc qui est une méthode plutôt orientée recherche. Et donc, je laisse le terrain à Pierre-Benoît pour nous expliquer comment cette méthode a été développée et quel est son objectif, et éventuellement aussi à la fin, comment elle peut être un peu appliquée à l'Université de Bordeaux. Hop, votre micro. Ah, il nous manque le micro. Oui.
Pierre-Alain, on n'a pas le son. Oui. Et OK. Donc là, voilà. J'ai le son, mais j'ai plus l'image. Hein. Ah là là, c'est... il faut une dextérité sur ces outils. Hein. C'est... voilà, on va y arriver. Je mets ça en place avant de prendre la parole. C'est bon, ça va, on a les deux. Très bien, les deux. Voilà. Le son et l'image. Vous m'entendez ? Bon, c'est parfait. Très bien. Donc, merci, merci Yves. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager mes réflexions hein, sur ces questions. J'ai beaucoup apprécié la préparation qu'on a faite d'abord avec Antoine et puis avec toute l'équipe. Hein. Je trouve la façon dont vous prenez ces questions est vraiment intéressante parce que vous les prenez au sérieux. Donc, je pense que vous n'êtes pas dans le washing et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. On y reviendra. Alors, s'il y avait une idée à retenir, ce serait peut-être celle-là. Donc, c'est cette citation qu'on attribue en fait par erreur à Einstein, mais ce n'est pas le sujet. Tout ce qui compte ne peut pas toujours pas être compté, tout ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Et en fait, souvent quand on aborde l'impact, c'est le problème auquel on est confronté, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment mesurer l'impact et donc on prend des proxys qui pourraient ressembler à de l'impact. Alors, le nombre des brevets, le nombre de sociétés créées, etc. Donc, du coup, c'est vraiment une question qui se pose. Alors, à titre, j'ai un peu d'écho, je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que vous avez tous coupé les micros ? Donc, attendez deux secondes. Alors, à titre d'anecdote, pardon. En 2009, on était à l'INRA dans la première configuration où nous devions faire une évaluation de l'Institut par un organe externe. Et Marion Guillou, qui était alors à la tête de l'Institut, en fait, a lancé le chantier en fait, qu'on appelle ASIRPA aujourd'hui. Pourquoi l'a-t-elle fait ? Olivier Lavielle rappelait dans son introduction que en fait, l'ADN de l'INRA, comme de l'IRSTEA, en fait, c'est celui de la recherche finalisée, c'est-à-dire d'une recherche orientée vers des enjeux de société, des enjeux socio-économiques. En réalité, quand on était à la veille de l'évaluation de l'INRA en 2009, ben on savait très bien évaluer l'impact de l'INRA sur la science par toutes les mesures qu'on connaît bien en scientométrie. Par contre, concernant l'impact socio-économique, l'impact sur la société, au-delà de quelques anecdotes, au-delà de mesures vraiment imparfaite, je pourrais revenir là-dessus si ça vous intéresse, du type les brevets, les sociétés créées, les certificats d'obtention végétale, etc. En fait, on était vraiment démunis. Et donc, c'était quelque chose qui était extrêmement périlleux pour un organisme comme l'INRA, que sa raison d'être, en fait, ne puisse pas faire l'objet d'une analyse sérieuse, de métriques éprouvées, etc. Voilà, donc, c'est ce qui a présidé, en fait, pour l'INRA à cette initiative et qui a conduit en fait à la création de la méthode dont je vais vous parler, donc la méthode ASIRPA. Alors il se trouve que effectivement à l'époque en fait on parlait pas beaucoup d'impact hein, à la fin des années 2000. Depuis lors en fait c'est comme l'a dit Antoine dans son introduction, c'est un sujet en fait voilà, c'est devenu une espèce de buzzword, effectivement. Et c'est un sujet, en fait, dont s'emparent la plupart des associations d'université au niveau européen. Donc, l'ERU a produit son rapport là-dessus, sur la question en 2017. L'Association européenne des universités a produit un rapport sur la même question en avril 2019. Et la plupart des pays européens ont des réflexions en fait sur cette question de l'impact sociétal de la recherche. Évidemment, il y a toute l'expérience anglaise, hein, alors qu'il faudrait discuter, mais ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est une expérience qui est vraiment très intéressante vu son,
son intensité, donc du Research Excellence Framework. Donc depuis le début des années 2010, en fait, les universités ne sont pas évaluées simplement sur les missions traditionnelles, sur la question de l'excellence, elles le sont aussi sur la question de l'impact. En Hollande, aux Pays-Bas, il y a également dans le protocole d'évaluation des universités une part importante qui est faite à l'impact sociétal. Donc du coup, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de discussions autour de cela, et avec un partage sur ce qui peut être la définition de l'impact. Alors là, j'ai repris celle du REF, hein, la définition anglaise, hein, donc je me permets de me lire. L'impact sociétal de la recherche peut être défini comme un effet, un changement, un bénéfice. Donc, c'est bien, l'impact, c'est bien une transformation, hein, qui est induite par la recherche. Et cette transformation, elle peut se faire en termes économiques, elle peut se faire sur la société, c'est-à-dire sur le social, elle peut se faire sur la culture, elle peut se faire, l'impact peut porter sur les politiques publiques, la santé, l'environnement ou la qualité de vie. Donc, c'est bien un effet au-delà du monde académique. Alors, quand on fait de l'évaluation d'impact, en fait, la première question, et on l'a déjà abordée, mais je vais le reprendre un peu différemment, c'est de se dire pourquoi on évalue l'impact de la recherche. Et donc, il y a évidemment plusieurs raisons pour lesquelles on peut évaluer l'impact de la recherche. Et il faut toujours avoir en tête que selon les raisons et les objectifs que l'on se donne, eh bien, on ne va pas utiliser tout à fait les mêmes méthodes. Donc, la raison la plus classique, c'est la reddition de compte. D'ailleurs, les études d'impact de la recherche, en fait, les premières méthodologies un peu massivement utilisées, c'est à partir des années 1950, aux États-Unis, dans le domaine agricole, autour des recherches sur les maïs hybrides, avec une idée en fait de calcul de ce qu'on appelle le rendement interne, donc la rentabilité de la économique de la recherche. Mais évidemment, la reddition de compte peut aller plus loin. Il y a toute la question de la communication avec les bailleurs de fonds, avec les parties prenantes, avec les médias et avec un public plus large. Et par exemple, les études de cas ASIRPA que nous avons faites sont régulièrement présentées aux parlementaires. C'est un élément important pour faire comprendre quel est le rôle et quels sont les impacts des recherches qui sont faites à l'INRA ou à INRAE. Il y a également, et c'est très important, une question d'apprentissage. Donc, on peut évaluer l'impact pour avoir une meilleure connaissance des mécanismes qui génèrent l'impact et, ce faisant, en fait, les améliorer. Et donc, améliorer, effectivement, la réalisation, la capacité de l'organisation à produire des impacts. Et puis, ça a été évoqué, également, partager une meilleure connaissance de ce que c'est que l'impact, de la façon dont la recherche peut produire des impacts. Et ça peut paraître évident de dire cela, ce n'est pas du tout. Souvent, quand on demande à des chercheurs quel est leur impact, l'impact de leur recherche, ils parleront en termes de publication, en termes d'output, ils auront beaucoup plus de difficultés spontanément à parler réellement de transformation effective sur la société. Voilà, donc du coup, on a différentes raisons d'évaluer l'impact de la recherche, différents objectifs. J'ai repris là une citation de l'Association européenne des universités qui affirme, et je pense que c'est un élément important, que la nécessité de revoir nos pratiques d'évaluation de la recherche découle du fait qu'il devient nécessaire de réconcilier les valeurs de la recherche et de ses produits avec la façon dont la recherche est reconnue, évaluée, et dont elle est récompensée. Donc ça, c'est un élément important, et ça renvoie en fait à l'élément qu'a évoqué Éric Massé, c'est-à-dire c'est effectivement s'équiper de façon à ce que
les grandes missions actuelles de la recherche soient amplement reconnues dans son fonctionnement quotidien. Alors, il faut le dire de suite, et ça c'est également un autre élément, je pense que le type de take-home message, c'est que quand on fait de l'évaluation d'impact de la recherche, on bute systématiquement sur trois grands problèmes. Le premier, c'est le problème de l'attribution. Il est très difficile, en fait, la recherche elle seule ne produit pas d'effet, ou qui plus est, la recherche d'un projet ne produit pas d'effets, c'est toujours, en fait, les effets sont toujours liés à des transformations systémiques. Donc, on a une question à la fois en termes d'action et puis en termes d'évaluation, la question de l'attribution, de méthodologie d'évaluation. Ensuite, il y a la question du décalage temporel. Autant, effectivement, une mesure politique de type RSA peut avoir des effets sur quelques années, autant, en fait, les investissements dans la recherche, généralement, ont des impacts qui sont très, très, très largement différés dans le temps. Je reviendrai là-dessus. En fait, nous, les calculs qu'on a fait pour, sur un panel d'études de cas pour l'INRA nous ont conduit à mesurer en fait, un décalage temporel d'une vingtaine d'années en moyenne. Donc, c'est vraiment considérable. Puis la troisième difficulté qu'on a à laquelle on est confronté quand on fait de l'analyse d'impact, c'est qu'il est très difficile. Alors, évidemment, là, on parle d'impact sociétaux, donc d'impact en dehors effectivement de l'impact scientifique, c'est important en soi, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on sait parfaitement mesurer. La troisième difficulté, c'est d'aller au-delà des impacts économiques. En gros, faire de l'évaluation d'impact économique, on a beaucoup de méthodologies, on n'a pas forcément toutes les données, mais on sait faire à peu près. Faire de l'évaluation d'impact sur l'environnement, d'impact sur l'impact social ou sur les politiques publiques, c'est vraiment une autre paire de manches. Donc, je vais revenir là-dessus et sur la façon dont les méthodologies, notamment l'approche ASIRPA, permettent de traiter ces problèmes. Alors, cette diapo, c'est juste pour dire, c'est un extrait de ce rapport de l'Association européenne des universités. C'est pour peut-être prendre un peu de distance avec une approche qui irait trop vite vers la définition d'un ensemble d'indicateurs d'impact sociétaux. Je passe rapidement là-dessus, mais en fait, ce rapport fait une identification d'un ensemble de métriques. Hein, et les métriques conventionnelles, en fait, c'est les métriques sur des outputs de recherche ou sur les collaborations avec les méthodes de Leiden, en fait, qui ne sont pas spécifiques de l'impact. Et en fait, les métriques alternatives qui sont liées, en fait, aux effets sociaux, social outreach, en fait, c'est des mesures essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est que lié que de façon tout à fait indirecte et imparfaite à l'impact. Et donc, en termes de métriques, il faut être extrêmement prudent parce que je pense que c'est intéressant que ce rapport le pointe. En fait, on est encore dans quelque chose qui doit être développé. Alors, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Hein, donc, j'ai mis, vous aurez, je pense, les diapos, hein, la référence un article récent qui a été publié dans la revue Research Evaluation, dans laquelle on a aujourd'hui, c'est l'une des revues dans laquelle on a le plus de publications en fait sur ces questions. Et donc, il a fait une revue en fait des méthodes d'évaluation de l'impact sociétal de la recherche. Et donc, il y a un ensemble de méthodes qui sont aujourd'hui proposées et dont la méthode ASIRPA, dont j'ai parlé, sur laquelle je vais revenir. Ce que je peux dire, en fait, hein, et on pourra revenir sur ce point, hein, c'est que la plupart des méthodes, en fait, utilisent ce qu'on fait dans ASIRPA, c'est-à-dire
font ont une méthodologie qui est basée sur la sélection d'études de cas. Donc, ma présentation, elle est assez simple. Hein. Yves disait, en fait, une des questions, c'est de savoir quand évaluer l'impact. C'est une question qu'on s'est posée. Et donc, du kitchen latin, hein, si je puis dire. Hein. Donc, on a toutes les méthodes ex post. Hein, donc, c'est au rétroviseur. Hein, donc, on regarde quand l'impact est réalisé. Ben, en fait, quelle a été l'importance de l'impact, et donc on reconstruit en fait le passé. Il y a des méthodes ex ante, mais là j'en parle pas, hein. Ce serait avant de lancer un projet de recherche, essayer de faire des sélections à partir de l'impact potentiel. Je vais en fait parler de ce qu'on fait in itinere, donc en temps réel, c'est-à-dire les façons de prendre en compte la question de l'impact, non pas quand tout a été réalisé, mais quand les choses sont encore ouvertes et quand la méthode d'évaluation de l'impact peut avoir une incidence sur la conduite des projets de recherche. Bon, donc, rapidement sur AzirPa Ex Post. Désolé, il y a des diapos qui sont en anglais, mais la première chose, en fait, c'est une hypothèse, et ça serait intéressant de le discuter dans le cadre de l'Université de Bordeaux. Mais en gros, l'idée, c'est que dans toute organisation, à un moment donné, on a, la loi des 20-80 ou des 10-90, hein, 10% en fait des activités qui font 90% des impacts, ce qui ne veut pas dire que les 90% qui produisent très peu d'impact ne sont pas intéressantes. Au contraire, hein, la recherche, en fait, elle a un caractère, les résultats sont incertains, il y a beaucoup de sérendipité, donc il y a beaucoup d'éléments qui font que cette distribution, elle n'est pas du tout anormale. Hein, le potentiel d'impact pour demain, il est souvent dans des projets qui n'ont évidemment pas d'impact, pas eu d'impact jusqu'à présent. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que si on suit cette intuition, ben, méthodologiquement, on doit pouvoir rendre compte de l'impact d'une organisation avec un nombre de cas qui est finalement assez limité. On va en rendre compte de façon semi-quantitative, mais également qualitative. Donc, du coup, on a eu toute une méthodologie pour sélectionner des études de cas, et on a réalisé une quarantaine, en réalité, aujourd'hui, on est à une cinquantaine d'études de cas sur différents sujets. Le second point dans notre méthode, et donc il y a toute la question évidemment qui se pose de la sélection des études de cas sur laquelle on pourra revenir. Le second point, c'est que en fait, si on veut ensuite pouvoir faire des analyses transversales, faire un peu d'agrégation, etc., et pouvoir monter en échelle, hein, et ne pas être simplement au niveau des études de cas, il faut standardiser l'analyse. Donc, dans l'équipe AzirPa, on a fait beaucoup de travail pour standardiser une approche de ces cas. Et donc, là, vous avez les trois outils principaux. Hein, donc, la chronologie, donc bien identifier effectivement quelle est la temporalité d'un cas, quels sont les principaux événements qu'il faut retenir. Ensuite, un outil central dans notre approche qui est le chemin d'impact. Donc, le chemin d'impact, c'est quelque chose qui existait dans la littérature, mais qu'on a repris à notre sauce. Et puis ensuite, les différentes dimensions d'impact et les métriques associées aux différentes dimensions. Et donc, on a considéré qu'il était essentiel, en fait, d'avoir une approche multidimensionnelle et donc pour chaque cas d'avoir une métrique des effets économiques, des effets environnementaux, des effets sur les politiques publiques, des effets sociaux et des effets sur la santé. Voilà, donc si on fait un travail comme ça, ben en fait on génère des données qui peuvent être
donc qui sont plus ou moins commensurables. Et donc, on peut faire une analyse qui est plus au niveau des cas, mais qui est au niveau de l'organisation. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, comment on a traité en fait les problèmes que j'ai évoqués à l'introduction? Dans la plupart des études classiques, notamment les études économétriques, en fait, on cherche à faire une attribution, à attribuer une part en fait, d'un impact observé à la recherche. Ça se fait en général par les méthodes statistiques. En fait, la notion de contribution, elle est beaucoup plus intéressante, à mon sens, parce qu'elle est processuelle et elle est contextuelle, elle est donc qualitative. Et je pense que c'est assez bien illustré sur cette diapo. Et donc, ça, on peut le faire quand on fait une analyse détaillée du chemin d'impact. C'est ça qui permet effectivement d'identifier la contribution de la recherche de l'INRA, hein, mais ça pourrait être de la recherche de l'Université de Bordeaux ou de la recherche réalisée dans un site. Donc, on peut être ou de la recherche d'un projet ou d'un programme. Et donc, vous voyez qu'on reprend en fait le chemin d'impact qu'on peut avoir tout simplement comme une flèche qui va des inputs, qui produisent des outputs, et ensuite ce qu'on appelle les outcomes ou les impacts de niveau 2, et puis avec un processus de qu'on appelle de généralisation des impacts de niveau 2. Là, en fait, on complexifie l'analyse parce que ce qu'on essaie de repérer, c'est l'ensemble des transformations ou des traductions de la production de la connaissance vers des transformations de haut niveau. Ce qui est important, par exemple, c'est que la question n'est pas simplement celle des inputs, c'est-à-dire des investissements dans la recherche mesurés en valeur monétaire ou en ETP ou par l'indicateur de votre choix, mais c'est vraiment situer les recherches que l'on considère, donc les recherches de l'INRA ou les recherches d'un projet, dans un pool de connaissances et essayer de comprendre en fait la contribution spécifique de ce projet, de cet organisme, dans la production de connaissances à une échelle qui est en général une échelle internationale. Et donc, étude de cas par étude de cas, hein, c'est vraiment des études, donc encore une fois, processuelles et contextuelles, eh bien en fait, on décortique, effectivement, on revient sur cette chaîne de transformation. Et c'est ça qui permet de voir quel est le rôle effectif d'une équipe de recherche, d'un projet. Et l'une des choses qui est mise en évidence, c'est que si on considère le rôle de l'INRA dans la production de l'impact, en fait, ça se limite très rarement dans la production de connaissances. En fait, il y a un rôle des chercheurs et ingénieurs de l'INRA dans les différentes phases du chemin d'impact. J'insiste pas là-dessus, hein, je l'ai déjà évoqué. Donc, pour chaque cas, on analyse, on mesure l'impact dans 5 dimensions. Et vous voyez avec ces radars qu'on a des configurations en fait, qui peuvent être très différentes. Hein. Donc, des impacts qui sont essentiellement sur les politiques publiques, des impacts qui sont essentiellement économiques ou des impacts qui sont plus répartis sur différentes dimensions. Ça paraît rien, on pourra revenir là-dessus, mais il y a beaucoup de travail en fait, pour avoir des mesures d'impact qui soient robustes, par exemple sur les politiques publiques, on n'a pas vraiment de choses sur l'étagère. Alors, une des très grandes originalités hein, par rapport aux autres méthodes qui sont discutées actuellement, c'est que concernant AZIRPA, en fait, c'est une approche qui est, si je puis dire, utilisée pour de vrai en routine dans l'Institut. Et donc, on a une équipe de recherche et une cellule opérationnelle qui travaillent ensemble. Et la cellule opérationnelle est chargée plus de la mise en œuvre. Nous avons des référents impact dans les différents départements de recherche.
les études, elles ont été conçues, la méthodologie a été conçue de façon à ce que les études puissent être réalisées par les chercheurs impliqués dans le cas, avec l'appui des référents de chaque département, et de façon à pouvoir former en fait les différentes personnes impliquées, nous avons développé une formation en ligne donc qui permet effectivement de en fait d'apprendre. Il faut que je donc je voilà donc est-ce que vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui, il y a une petite une coupure. D'accord, ok. Voilà. Derrière tout ça, en fait, vous voyez, c'est pas simplement produire une belle méthode et publier dans des revues, c'est produire une méthode qui soit utilisable dans une organisation, avec l'idée que c'est par le partage d'une méthode qu'on va pouvoir, et je pense que c'est vraiment dans les objectifs que vous avez évoqués, passer d'une économie de la promesse à une culture de l'impact qui soit partagée dans l'organisation. Alors, j'en viens donc à Zirpa in Itinere, je vais faire assez vite. En fait, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Donc, c'est comment effectivement utiliser des approches en termes d'impact quand on est en cours de réalisation d'un programme ou d'un projet. Donc, l'intuition, en fait, c'est qu'on passe, on a vraiment une évaluation formative, hein, c'est-à-dire une évaluation dont l'objectif n'est pas du tout de rendre compte, mais dont l'objectif est vraiment de comprendre ce qui se passe. Et donc, ça doit être associé à un cadre de management adaptatif. Alors, je vais passer rapidement sur cela parce que sinon, ce sera un peu long. Simplement vous dire que bon, donc on a conçu Zirpa in Itinere à partir des enseignements qui avaient été tirés des études ex post. Et donc, les principales leçons qu'on a retenues, c'est qu'il faut définir les transformations attendues. Et ça, c'est quelque chose qui marche ex post, c'est-à-dire la façon dont on peut résoudre pas mal de problèmes méthodologiques d'impact, c'est de sélectionner des cas où on a des transformations avérées qui sont observables et qui ont une certaine importance. Mais en fait, quand on fait du in itinere, il faut faire la même chose. Les diapos que j'ai passées rapidement, en fait, visaient à dire, en fait, il se peut que la cible de transformation que l'on définit soit en fait pas la cible qu'on va atteindre. C'est ça la recherche. Hein. Encore une fois, c'est la sérendipité, hein. C'est-à-dire on peut trouver des choses super intéressantes qu'on n'avait pas cherchées. Mais ce qui ne veut pas dire en fait qu'il ne faut pas, en termes d'impact, se dire quelles sont les transformations que je veux faire, quelles sont les caractéristiques du monde dans lequel je veux me situer et auquel contribue la recherche. Et donc, il faut vraiment définir les transformations qui sont attendues. À partir de là, définir le rôle du projet ou du programme dans un écosystème de production de connaissances. Et on fait un peu le raisonnement est de type contrefactuel, hein, qualitatif, mais contrefactuel, c'est-à-dire s'il n'y avait pas ce projet, qu'est-ce qui manquerait? Quelle serait la différence? Et puis ensuite, identifier les différentes phases du chemin d'impact. Et donc, en fait, on utilise, mais ex ante ou in itinere, le même chemin d'impact avec la première étape donc, qui est à droite de la diapo, donc la description de la cible de transformation. On peut faire un travail de prospectif, hein, ça peut être plus ou moins approfondi. En général, quand on fait ça, on le fait dans le cadre d'une démarche participative avec les acteurs qui sont concernés. Deuxième étape, en fait, bien située le projet dans ses caractéristiques scientifiques et techniques et les résultats qui sont les résultats, les connaissances qui sont attendues de ce projet. Et ensuite, en étape 3, vous identifiez le chemin critique qui permet de passer des connaissances qui sont attendues vers la cible de transformation et donc identifier quels sont les points critiques, les acteurs critiques. Voilà. Donc du coup, quand on fait ça,
Bien, donc on est évidemment, je répète ce que j'ai dit par rapport au problème classique de l'évaluation d'impact. Donc, on n'est pas sûr de l'attribution. Ce qui est vraiment très important, c'est cette idée de contribution. Et là, avec cette idée, effectivement, peut-être de contrefactuel. Deuxièmement, en fait, évidemment, on a un problème de décalage temporel. Hein, bon, on pourra revenir là-dessus. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'il ne faut pas chercher à tout savoir dès le départ. Donc, on raisonne un peu comme en théorie de la décision avec des approches séquentielles. Hein, donc, il y a des moments où on a besoin de certaines informations et puis on sait anticiper des gains d'informations. Et donc, c'est ce principe d'analyse séquentielle qu'il faut utiliser avec une démarche qui va être itérative. Bon, et le troisième élément, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'opposition entre l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. On peut, à partir de ces approches, travailler la mise en récit et donc l'explicitation d'un chemin d'impact ou ce qu'on peut appeler la théorie du changement et une analyse multidimensionnelle des effets qui s'appuie sur des mesures quantitatives ou semi-quantitatives. Alors, actuellement, en fait, cette approche, elle est en cours de développement et en fait, on a une base conceptuelle et méthodologique, mais ce qui est vraiment très important, c'est qu'on a des expérimentations en cours sur plusieurs projets ou programmes. Donc, on a une expérimentation sur le programme prioritaire de recherche zéro pesticide, cultivé et protégé autrement, où l'approche en fait est mise en œuvre à titre expérimental, donc c'est une co-expérimentation avec les responsables du programme et les responsables de projets qui sont financés par le programme. On conduit cela aussi dans le cadre du territoire innovation Occitanum. Et puis on est intervenu aussi à titre expérimental sur la préparation de propositions de projets de recherche européens sur une dizaine de projets de recherche européens. Voilà, donc en conclusion, très rapidement, hein, donc j'ai parlé d'AZIRPA, mais je pense que l'intérêt d'AZIRPA, c'est que ça permet d'illustrer en fait des approches et des méthodologies qui sont en cours de développement. Et donc ça permet d'avoir d'explorer des façons innovantes d'évaluer l'impact sociétal de la recherche. Et encore une fois, il y a vraiment aujourd'hui pas mal de choses qui se passent, notamment au niveau européen. Donc, il y a une petite communauté des revues et donc on a une base, donc un espace sur lequel on peut s'appuyer pour construire en fait des méthodologies opérationnelles. Cette approche résulte d'une recherche-intervention. Et donc, encore une fois, elle est utilisée en routine tout en bénéficiant d'améliorations en continu. L'objectif principal, c'est bien de comprendre les mécanismes qui génèrent l'impact et de contribuer au processus d'apprentissage. Le choix méthodologique qui a été fait, c'est de se baser sur des études de cas et de produire et d'avoir une approche qui n'oppose pas le qualitatif au quantitatif, mais qui associe bien les deux. Alors ensuite, évidemment, c'est plus facile d'utiliser ces approches au niveau du projet ou du programme, un peu plus difficile au niveau des organisations, mais évidemment, un enjeu, c'est de pouvoir travailler aux différentes échelles. Voilà, j'ai été un peu plus long que prévu. Je vous prie de m'en excuser. Donc, je vous remercie pour votre attention. Alors, pourquoi j'ai ce truc-là ? Oui, bon, voilà, je suis un peu perdu. J'avais une photo une diapo où je vous remerciais pour votre attention. Donc, je peux le faire de vive voix. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Benoît, pour cette présentation très riche, où on voit qu'en effet, la méthode d'AZIRPA, il y a beaucoup de principes sous-jacents à cette méthode dont on pourra rediscuter. Il y a aussi des outils, il y a aussi une démarche. Donc, tout ça est très riche. On voit aussi que c'est une méthode très opérationnelle et ça, c'est réconfortant parce qu'en effet, on ne peut pas rester à planer dans les nuages, on va dire. Et donc, c'est important justement de commencer à réfléchir sur comment on peut opérationnaliser cela. Et donc, maintenant, on va avoir une série de présentations courtes faites par des collègues pour cibler un point particulier
éventuellement un point particulier qui a été soulevé par Pierre Benoît dans sa présentation, mais aussi par les introductions de Olivier et d'Antoine. Et donc, on va commencer ces présentations d'abord par le fait de réfléchir sur dans quel cadre on peut avoir aussi la mesure d'impact, c'est-à-dire quels pourraient être les critères de mesure d'impact. Et là, je vais donner la parole à Sylvie Ferrari, qui est maître de conférence au GRETA, et qui va nous parler justement des objectifs de développement durable comme un cadre qui peut aider justement à définir des critères de mesure d'impact. Très bien, merci beaucoup de me donner la parole pour cet exposé. Alors, je vais essayer de partager à mon tour mon écran. Donc, vous allez m'indiquer si c'est pour vous OK. Je vais essayer de passer quand même en mode… C'est bon. C'est bon, juste peut-être le temps que tu te mettes en diaporama. Oui. Dans le chat, en effet, il y a des questions. On les prendra à la fin, une fois que les présentations auront eu lieu, afin de pouvoir y répondre, de pouvoir répondre au mieux. Voilà. Donc, on t'écoute, Sylvie. OK, merci. Alors, je vais essayer d'être assez synthétique pour présenter un petit peu les enjeux, en simplement en rappelant quelques éléments forts, à savoir qu'aujourd'hui, les questions de développement durable se déclinent finalement à travers les ODD, les objectifs de développement durable. C'est ainsi qu'on les envisage. Ces objectifs, il y en a 17, qui ont été adoptés en fait en 2015, donc ça fait quelques années maintenant, par l'Assemblée générale des Nations unies, et qui constituent en fait pour l'ensemble des États une feuille de route commune de la transition vers un développement durable. Donc, les États se sont engagés à atteindre un certain nombre d'objectifs, on va les voir, au cours des 15 prochaines années, en fait, c'est sur la période 2015-2030. Voilà, donc l'agenda 2030 et ses ODD, finalement, nous proposent une conception assez nouvelle, on va dire, du développement durable, me semble-t-il, à deux niveaux. Ils associent d'une part la lutte contre l'extrême pauvreté et la réduction des inégalités à la préservation de la planète face aux enjeux de changement climatique. Et par ailleurs, ils transcendent aussi ces enjeux de développement durable en s'intéressant et en s'ouvrant à une démarche qui est plus globale et universelle. Donc, on va voir qu'il y a effectivement 17 ODD que je vais donc vous présenter là rapidement. Les voici qui vont finalement modifier et nous interpeller sur nos manières de vivre et de vivre en société, puisque cet ensemble donc d'ODD peut être décliné à travers différentes actions autour de 5 piliers que je vais développer rapidement. Il y a d'abord un pilier qui est le pilier biosphère ou planète, à travers donc les ODD que vous avez là, à savoir les ODD 6, 7, 11, 13, 14 et 15. Ces ODD, donc effectivement, protection de la planète pour répondre aux enjeux de développement durable des générations présentes et des générations futures, à travers l'accès à certaines ressources alimentaires, bien sûr, la préservation des sols aussi, l'accès à l'eau, à l'énergie, je ne vais pas détailler, mais voilà, un ensemble déjà d'éléments d'ODD qui se situent sur le pilier biosphère. Un autre pilier important, c'est le pilier population. Et le pilier population, vous l'avez décliné ici avec les ODD de 1 à 5, les 5 premiers, qui envisagent effectivement ici le respect d'un certain nombre de principes d'égalité, de dignité des populations et des personnes pour atteindre un certain niveau de bien-être compatible avec la préservation de la biosphère. On a ensuite un troisième pilier qu'on va appeler le pilier prospérité, qui peut être décliné avec les ODD 8, 9, 10 et 12, où là, les États s'attachent à appliquer une prospérité inclusive et respectueuse de l'environnement, de la nature de manière générale. Je ne vais pas détailler, mais c'est la question du travail décent, la question des technologies et du rôle des innovations pour un développement à dimension humaine. Et enfin, deux autres piliers, le pilier proposé avec l'ODD 16 concernant la paix et le dernier, le numéro 17, qui lui s'inscrit dans le cadre des partenariats. Le pilier 16, donc réduire les conflits, construire un monde de paix pour des sociétés prospères et durables, je résume. Et le dernier, donc celui concernant les partenariats, le numéro 17, ici, met l'accent sur la nécessité de construire des systèmes de partenariats de solidarité, en fait, nouvelles à l'échelle mondiale. Donc, des partenariats qui soient inclusifs, qui concernent bien sûr les citoyens, les États, mais aussi le monde associatif, le monde privé et le monde public. Et donc, on va voir qu'ici, la société civile, mais aussi l'université, a sa place dans cet ODD numéro 17. Donc, cette panoplie d'ODD, si vous voulez, elle peut trouver un caractère très opérationnel avec notamment un certain nombre de tableaux de bord qui ont été construits ici dans le cadre du dernier rapport sur le développement durable 2020. On ne va pas le décrire ni l'analyser, ce n'est pas l'objet, mais c'est pour vous montrer ce que l'on peut faire, un état des lieux que l'on peut construire à un moment donné
à travers ici différentes régions dans le monde avec ces différents ODD qui sont déclinés avec des couleurs différentes pour traduire finalement leur état. Est-ce qu'on les a atteints ou pas? Où est-ce qu'on en est? Donc, on peut avoir ici une vision assez opérationnelle des choses. Alors, en ce qui concerne l'université, eh bien, ce que l'on peut dire ici, c'est que, étant donné qu'on attend des transformations majeures et des modifications de nos modes de vie pour atteindre ces ODD, eh bien, ici, cela suppose effectivement de s'interroger sur la place de la connaissance et sur la nécessité d'avoir une certaine éducation, finalement, aux questions de durabilité pour transformer nos manières de faire et pour transformer nos manières de produire, de consommer, etc., à toutes les échelles. Donc, c'est dans ce contexte que l'université constitue, me semble-t-il, un acteur majeur pour participer à ces transformations sociétales attendues à partir donc, de l'atteinte de ces ODD. Alors, comprendre, bien sûr, toutes les transformations semble évident, mais aussi, c'est participer à la construction d'une société plus résiliente et plus juste. Cela signifie, bien entendu, pour l'université, qu'elle soit, on l'a déjà vu, en mesure d'appréhender l'ensemble de ses impacts en termes de durabilité, et à travers ces différents champs de compétences que sont bien sûr la formation, la recherche et l'ensemble de ces activités localisées sur les campus. Donc on a là véritablement une entrée un peu originale avec les ODD, me semble-t-il, qui permettent d'inscrire le partenaire ici, ou l'activité donc, de l'université, dans une mesure véritablement multidimensionnelle de ses impacts. Je ne vais pas détailler plus, mais au-delà de ça, il me semble qu'on peut aller encore plus loin si on va vers une approche qui nous conduit vers ce qu'on appelle l'approche du donut, qui est issue des travaux de Kate Raworth. Alors, cette approche du donut, en fait, conduit à finalement avoir une approche assez complémentaire de celle des ODD, mais simplement ici en se focalisant sur un ensemble d'objectifs déjà présents dans les ODD, mais beaucoup plus restreints. On n'en a plus que 11 et non 17, à partir desquels, eh bien, on va pouvoir construire cet espace sûr et juste pour l'humanité qui est constitué précisément par ce donut ici représenté en vert. Alors, vous avez là effectivement un cadre d'analyse intéressant, me semble-t-il, dans la mesure où il combine à la fois des frontières écologiques avec le plafond environnemental et des frontières sociales avec le plancher social. Et cette durabilité, finalement, qui est appréhendée à travers le donut, nous apparaît ici dans ces deux dimensions, l'écologie ou l'environnement et le social, qui sont articulées l'une à l'autre. Donc, pour faire très simple, eh bien, le plancher social nous permet d'identifier les besoins fondamentaux qu'il faut satisfaire pour assurer effectivement le bien-être des populations, donc l'accès à l'eau, l'accès à une nourriture suffisante, l'accès à la santé, etc., à des revenus satisfaisants, etc. Je ne vais pas détailler. Ça, c'est le niveau social. Et le niveau environnemental, eh bien, on retrouve, c'est ce que j'ai inséré ici en haut à gauche, à partir des travaux de Rockström et Homme de 2009, l'ensemble des limites planétaires qui ont été identifiées, dont une dont on parle beaucoup, celle des changements climatiques, mais vous avez également l'accès à l'eau douce, vous avez le cycle du phosphore qui est convoqué, la question de l'azote, on ne va pas détailler encore une fois, mais voilà, on a une approche vraiment globale et multidimensionnelle des impacts que peuvent avoir les sociétés, ici donc l'humanité, en termes d'organisation finalement sociale à l'échelle très globale. Alors, effectivement, quand on a ce cadre-là, eh bien, on peut le décliner de manière un peu plus précise, sans entrer dans les détails. Je crois que mon temps est quasiment terminé, mais vous avez là une représentation faite à partir des travaux de Raworth qui montre quoi? Vous avez le plancher social à gauche, par exemple, pour la nourriture, si on prend les besoins en termes d'alimentation, on voit quoi? Eh bien, on voit qu'il reste une marge bleue qui représente, en fait, ici, de mémoire, à peu près 13% de la population sous-alimentée dans le monde. Autrement dit, en termes d'atteinte, en termes d'objectifs ici d'alimentation suffisante pour se nourrir, effectivement, on voit qu'il nous manque 13% pour atteindre l'objectif. Vous avez la même chose pour l'eau, les ressources, etc. Donc là, on a une description du plancher social. L'idée étant que plus ce vide est important et plus l'écart par rapport aux fondamentaux qu'il faut atteindre est grand. Après, vous avez en bas à droite, évidemment, le plafond environnemental où vous retrouvez ici les limites planétaires à la Rockström et Hall. Bon, et on retrouve effectivement la question du changement climatique avec le dépassement de cette limite, puisqu'on est bien au-delà de la concentration en CO2 de l'atmosphère qui était celle de l'ère pré-industrielle, à savoir de l'ordre de 280 ppm. Bon, donc, on est aujourd'hui à peu près à 410. Donc, voilà une façon, si vous voulez, de représenter ou de mettre en scène ces objectifs de durabilité, ici à travers une représentation imagée, mais qui capte, vous le voyez, les différents objectifs et les différents impacts associés. Alors, dernier slide et je m'arrête.
par rapport à l'université, l'université de Bordeaux, un donut à construire, peut-être, en tout cas ce qu'on peut dire ici aujourd'hui, c'est que le donut a beaucoup inspiré, c'est une approche inspirante, il a beaucoup inspiré un certain nombre de chercheurs et de décideurs, et notamment certaines villes, en particulier Amsterdam récemment et plus récemment encore Genève, s'interrogent sur la manière donc de mobiliser cette approche pour mettre en œuvre effectivement une nouvelle conception finalement de leur développement durable à l'échelle de leur territoire. Donc il me semble qu'effectivement une déclinaison à l'échelle d'un établissement tel que l'université pourrait donner une représentation assez globale des impacts et à différentes échelles, à la fois spatiales et temporelles. Donc, adapter, si vous voulez, l'approche du donut ici permettrait de rendre compte des liens entre les différentes parties prenantes qui interviennent au sein de l'université dans son environnement local ou plus global et constituerait en quelque sorte une boussole en termes d'impact qui permettrait de guider ou d'aider à la prise de décision au final et d'orienter effectivement aussi les choix à mettre en œuvre. Voilà, j'ai été un petit peu longue, je m'en excuse et j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Donc, comme l'a dit Sylvie Ferrari, on peut considérer différents critères et notamment dans les ODD, on a vu qu'il y avait l'ODD numéro 5 sur l'égalité entre les sexes qu'on retrouve dans le donut d'ailleurs. Et donc, on a vu aussi dans la présentation de Pierre Benoît qu'on pouvait avoir une évaluation de l'impact ex ante ou ex post. Et donc maintenant, on va avoir une présentation de Marion Paoletti sur justement comment on peut regarder, quand on prend des décisions, l'impact ex ante sur le genre, l'impact des décisions sur le genre et comment on peut avoir un outil pour mesurer cet impact. Donc Marion Paoletti est maître de conférence HDR en sciences politiques. Elle est chargée de mission parité, égalité, diversité. Et donc Marion, tu vas avoir 5 minutes pour nous expliquer l'outil que tu souhaites nous présenter. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Je ne vois plus mon écran. Là, vous m'entendiez. OK, parfait. Alors, en quelques minutes, je viens en effet présenter un outil qui est très porté par la Commission européenne qui s'appelle le GIA, le Gender Impact Assessment. Pour situer le contexte très rapidement, c'est issu d'un grand moment, d'un grand temps sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est la conférence mondiale de l'ONU en 1995, qui définit puis ensuite va porter à l'échelle internationale, alors d'abord les États, puis les établissements publics, le concept de gender mainstreaming. Alors, concept de gender mainstreaming, c'est-à-dire égalité femmes-hommes, ça ne dépend pas d'un secteur qui serait, je ne sais pas moi, promouvoir le droit des femmes, mais c'est tellement transversal que ça doit concerner toutes les décisions et toutes les politiques publiques. C'est l'idée que, puisque les femmes et les hommes n'occupent pas encore les mêmes positions, les mêmes rôles dans les organisations, les États, etc., une mesure qui concernerait également les uns et les autres ou ne mesurerait pas les impacts pourrait renforcer les inégalités et qui consiste, avant que les décisions soient prises, à s'interroger sur les impacts, justement, sur l'égalité. Et donc, le GIA, c'est l'outil pour atteindre les objectifs en fait, du gender mainstreaming qui s'est diffusé différemment, etc., selon les États, mais à partir de 1997, puis dans les organisations publiques. Et aujourd'hui, notamment lié au passage de H2020 à Horizon Europe, qui va concerner très concrètement les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les organismes de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est que le GIA ? C'est un processus pour identifier les conséquences futures d'une action. Là, vous avez la définition de la Commission européenne qui consiste à se demander pour chaque décision, essayer d'évaluer, donc tout est dans le « essayer d'évaluer », l'impact positif, négatif ou neutre de n'importe quelle politique ou de n'importe quelle activité mise en œuvre sur l'égalité de genre. Alors, très concrètement, mais je crois que je ne vais pas prendre mes 6 minutes, comment on fait ? Donc, définir les enjeux et les buts. Quand on est en train de prendre une action, c'est se poser la question, en quoi est-ce que ça va servir la promotion de l'égalité des genres ? Qui va en bénéficier directement ou indirectement ? Deuxième étape, c'est évaluer la situation actuelle. Donc là, c'est vraiment recueillir des données sexuées et en faire une analyse genrée. Donc, par rapport au groupe cible, c'est de voir les données ventilées par sexe, est-ce qu'elles sont suffisantes pour évaluer l'impact, est-ce qu'il faut que je produise des nouvelles données, etc. Et puis, essayer d'évaluer dans les organisations les rôles des femmes et des hommes. Alors, nous, on en a un petit peu l'habitude, là, désormais, avec toutes les obligations de la fonction publique, notamment, et plus précisément en termes de carrière, de recrutement, de promotion.
mais compte tenu hein, de la diffusion de cet outil, je vous invite vraiment, enfin pour moi le conseil, c'est vraiment de produire des données sexuées dans tout domaine, innovation, brevets, entrepreneuriat étudiant, etc. Enfin voilà, même ce qui ne relève pas de l'obligation de la fonction publique, je pense qu'il faut absolument monitorer hein, toutes ces données sexuées. Ensuite, évaluer, décrire les effets éventuels sur les femmes et les hommes directement ou indirectement. Donc, je dis bien que c'est avant, mais dans le processus de GIA, il faudrait idéalement faire aussi une évaluation ex post en se demandant, voilà, pour être de plus en plus en capacité de prévoir ces effets, voir les différences entre l'impact anticipé et l'impact réel, et identifier les changements potentiels. Voilà, si les mesures prises ne sont pas susceptibles hein, de réduire les inégalités genrées, évaluer les autres possibilités, les alternatives, etc. Donc, hein, vous l'avez bien compris, ben, on parle essentiellement de monitorage, je ne suis pas très sûre qu'on dise comme ça, et d'évaluation. Donc, décider des indicateurs, mesurer les changements, bien voir les données ventilées par sexe des groupes cibles, hein, évaluer si la politique a des impacts différents, et tenter de voir si n'importe quelle décision, comment ça affecte hein, la vie des femmes et des hommes dans l'organisation, je dis bien compte tenu des positions différentes actuellement. Les bénéfices, hein, tels qu'ils sont très valorisés, voir là où il nous manque des données, fournir des informations, et puis surtout produire de l'égalité, et in fine renforcer hein, la mobilisation et des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'organisation. Alors, je prends juste un petit temps pour vous dire que cette question-là, en fait, ce GIA est en train de se développer dans les activités de recherche. Je pense que vous le savez, mais le passage de H2020 à Horizon Europe, une des différences, pardon, c'est il faut justifier dans les projets de recherche comment on prend en compte le genre dans son projet en amont. Alors, il y a une année de tolérance, mais voilà, ça va devenir très obligatoire. Et donc, dans le cadre de RESET, hein, qui est un projet H2020 que l'Université de Bordeaux porte, RESET, c'est Redesigning Equality in Science and Excellence Together, pour lesquels l'ensemble des organismes de recherche hein, ont apporté leur soutien, et je les en remercie encore, j'en profite. Il y a un work package qui est justement sur le GIA dans la recherche, prendre en compte le genre dans la recherche. Ce work package, le leader, c'est l'université d'Oulu en Finlande. Et voilà, les Finlandais sont extrêmement habitués et en avance sur ces questions-là. Donc, dans le cadre de RESET, voilà, on est en train de présenter hein, le premier livrable hein, qu'on a produit, qui sont les lignes directrices du GIA dans la recherche. Vous le trouverez sur le site de RESET. Excusez-moi, je ne l'ai pas mis, c'est Oui RESET. Et voilà, on est en train de le présenter dans les départements. Et on aura en septembre un nouveau livrable avec une checklist hein, de c'est quoi prendre en compte le genre dans les projets de recherche. Pour le dire vite et dès maintenant, hein, il y a 4 axes principaux. Il faudra montrer la composition sexuée de l'équipe projet. À l'intérieur de l'équipe, la distribution genrée des tâches et donc non genrée des tâches. Hein, voilà, il faut aller vers cet objectif. Recueillir des données sexuées. Et puis, analyser les données en prenant en compte le genre. Donc, peut-être j'aurais dû commencer par définir la différence entre le sexe et le genre, mais voilà, si vous avez des questions, évidemment, je suis à disposition. Peut-être très rapidement, hein, la variable, c'est le sexe. Le sexe, c'est la différence biologique, la différence entre les sexes. Donc, quand on dit sexe, c'est homme, femme, et c'est la variable indépendante. Le genre, c'est pas une variable, hein, c'est un concept qui cherche à éclairer justement les différences entre ce qu'on considère masculin, féminin, les rôles, etc. Je ne développe pas là, mais c'est vrai que ça demande, je pense, un peu d'expertise et c'est peut-être un des éléments à avoir en tête hein, pour pouvoir développer le GIA. Et je vous mets les ressources, si ça vous intéresse, je vous invite principalement d'emblée peut-être à aller regarder la ressource 1 qui pose un certain nombre de questions quand, comment, où, par où commencer, etc. Voilà, qui est un peu le GIA pour les nuls. Enfin, je ne voulais pas dire les nuls, ça veut dire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Marion. Alors, on va rester dans le domaine de l'impact sur l'humain avec la présentation de Stéphane Trébut, puisqu'on a vu tout à l'heure dans la présentation de Pierre Benoît que l'impact devait être mesuré de manière multicritère et donc le capital humain peut faire partie d'un critère d'impact. Et donc, Stéphane Trébut, qui est professeur à l'IAE de Bordeaux, va nous présenter un cadre qui est inspiré du Balance Scorecard donc de David Norton et de Robert Kaplan. Stéphane, je te laisse la parole. Hop, il n'y a pas le micro. Le micro, le micro.
Voilà, ça va aller mieux comme ça. Très bien. Merci Yves. Alors, effectivement, je voudrais revenir à cette notion. C'est un peu comme une équation, en fait. L'impact, les impacts, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Mais on peut aussi se poser la question de ce qu'il faut pour obtenir ces impacts. Donc, c'est un peu, ça nous ramène en fait à nos années de mathématiques de troisième, du genre y est égal à f de x. Donc, le y, c'est l'impact, et il faut des x, pas qu'un seul d'ailleurs, mais en tout cas, manifestement, dans les x dont on a besoin, il y a cette notion de capital humain. Alors, c'est vrai que on pourrait aussi considérer que le Y, c'est aussi le capital humain, c'est une forme d'impact, et on vient d'en parler à l'instant avec Marion, et cet élément a été aussi un peu suggéré dans la présentation qui nous a été effectuée de cette méthode tout à l'heure par Pierre Menoy. Alors, l'ancêtre un petit peu de tout ça en termes de réflexion, c'est ce schéma qui date du début des années 2000 et en fait qui se lit un peu comme fonctionne une cafetière à l'italienne, c'est-à-dire qu'on met le café en bas et ça fonctionne par percolation inverse, c'est-à-dire ça remonte. Donc, on commence par lire le graphique par le bas. Qu'est-ce qu'on voit en bas? On voit qu'il y a des capitaux immatériels qui, malheureusement, sont rarement compris dans les organisations, parce qu'avec nos logiques comptables et budgétaires, on rentre des chiffres dans des systèmes d'écriture comptable, mais on est finalement assez peu renseigné sur les caractéristiques de nos immatériels. Alors, il y a ces données, effectivement, de genre qu'on peut évoquer, mais qui sont qu'une toute petite partie, en fait, de la description de l'ensemble de nos immatériels. Et si la promesse, c'est que si l'on gère bien ces immatériels, on pourra à ce moment-là avoir un impact sur les processus, la conduite des processus. Dans une université, eh bien, il y en a un certain nombre hein, qui sont assez complexes d'ailleurs, mais qu'on peut identifier. Il existe même des référentiels maintenant de processus adaptés aux universités. C'est l'ensemble des activités, pour faire simple, qui sont conduites par les chercheurs, mais pas que les chercheurs, les fonctions support et les fonctions principales. Et puis, ça, c'est supposé avoir un effet sur… Alors, dans l'idée de départ de Kaplan et Norton, mais ça a été appliqué ensuite aux universités, le raisonnement de départ, c'était pour les entreprises. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait adopter un peu cette logique de relation de cause à effet pour à peu près toutes les organisations. Alors, dans le cas d'une entreprise, on va parler du client, on parlera certainement maintenant pour une organisation comme l'université des étudiants et par extension des parties prenantes. Pour une entreprise, on parlera de performance financière, mais depuis peu, le raisonnement a été un petit peu élargi et je vais y revenir dans un instant. Alors, le point qui est principal malgré tout, c'est que même si on connaît le point d'arrivée, et qu'on a une sorte d'injonction comme ça vis-à-vis d'une entreprise, créer de la valeur pour l'actionnaire. On peut changer cette injonction en disant créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Ben, il n'y aura pas d'effet miraculeux, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on n'agit pas sur les processus, on n'atteindra pas en fait les objectifs qu'on s'est assignés en termes d'impact. Et si on n'agit pas sur ce qu'il y a en amont des processus, eh ben, on n'aura pas au final ce résultat. Donc, je veux dire que l'idée centrale quand même apportée par Kaplan et Norton est de dire, bon, vous avez le droit de définir vos objectifs en termes d'impact ou de performance. Bon, là, il y a évidemment un pas de côté par rapport à cette sémantique. Mais au bout du compte, une fois qu'on a clarifié quand même le point d'arrivée, on n'a pas forcément le chemin, et en tout cas, ça se manage, ça. Et ça s'accompagne. Et c'est pour ça qu'il faut finalement mobiliser le personnel. Alors, il n'y aura pas d'effet miracle en quelque sorte, c'est-à-dire que le capital humain, qu'est-ce que c'est? Alors, souvent, c'est défini comme les salariés ou les employés d'une organisation. Je pense que c'est une erreur profonde. Le capital humain, en fait, c'est un ensemble de choses, c'est notamment des connaissances, mais qui peuvent être créées, coordonnées en relation avec les parties prenantes. Donc, il faut avoir une vision extensive du capital humain. D'une certaine façon, le capital humain d'une université, c'est aussi éventuellement le réseau des anciens, cette start-up qui pourrait être située à Bordeaux, avec laquelle un laboratoire de Bordeaux pourrait créer un partenariat. Donc, c'est cette circulation des connaissances qui se gère.
et ensuite cette prise de conscience des objectifs qui sont poursuivis en termes de travaux. C'est-à-dire, au travers de tels projets, nous visons tels impacts. Et ça, cette prise de conscience va permettre de générer de nouveaux projets qui vont spontanément émerger parce qu'il y a alignement stratégique, c'est-à-dire compréhension de la stratégie de l'organisation. Donc, non pas d'une manière passive, mais d'une manière, cette fois-ci, spontanée et active. Alors, ce raisonnement de Kaplan et Norton trouvait quand même un certain nombre de limites parce qu'on ne voit pas vraiment, ici, dans ce graphique, les effets des impacts exogènes au système. Au fond, c'est un schéma assez volontariste, mais toute organisation en fait, peut être très largement impactée par des phénomènes externes, on l'a bien vu avec la crise de la COVID-19. Alors, depuis peu, on présente souvent les organisations et leur fonctionnement à partir de ce schéma et qui a de fortes similitudes avec la méthode ASIRPA. Vous voyez que dans ce schéma, en bleu, à gauche, on a ce qu'on appelle des éléments d'entrée dans le système. Ensuite, au milieu, vous avez un phénomène où l'organisation va conduire un certain nombre d'activités et transformer les inputs en outputs, donc en résultats, et de court terme, comme par exemple une publication. Mais il y a une histoire qui continue après la publication. C'est par qui est-elle lue? Est-ce qu'évidemment, elle va se traduire par des décisions politiques? Est-ce qu'elle va avoir des effets économiques? Et on retrouve sur la partie de droite, en fait, la notion implicite d'impact qui, ici, sont redéclinées en termes d'économique, de physique, d'intellectuel, d'humain, de social et de naturel. Et ça se croise très fortement avec la présentation de Sylvie tout à l'heure qui parlait du donut. Donc, cette modélisation, si vous voulez, est importante et elle montre en fait qu'aujourd'hui, c'est une sorte de langage commun, hein, cette notion d'impact, mais notez que dans ce graphique, on a bien réfléchi, non pas seulement aux éléments qui sont en vert sur la partie droite, mais on a bien pris conscience aussi qu'on avait un certain nombre d'éléments d'entrée. Et c'est ça, à mon sens, qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déconnecter d'une certaine façon ce qui est à droite, c'est-à-dire les impacts, des entrées qui sont en bleu et qui sont à gauche. L'un ne va pas sans l'autre. Et je dirais que c'est même quelque chose de tout à fait systémique. C'est-à-dire qu'il y a ce phénomène d'apprentissage qu'on pourrait, en quelque sorte, ici, traduire par cette boucle de rétroaction qu'on voit bien sur le graphique. Voilà, et je pense alors que finalement, les notions d'impact sont assez proches aussi de la notion de création de valeurs au pluriel, des valeurs qui peuvent être à la fois symboliques et économiques, mais donc non économiques aussi, et c'est un élément assez central maintenant dans le pilotage des organisations. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette notion d'impact et de capital humain. Et je reviendrai là-dessus sur cette notion. Je resterai là-dessus sur cette notion assez extensive, hein, pas simplement trop limitative du capital humain dans une optique de création de valeur. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Alors en effet, là on voit que la mesure d'impact, elle doit être dans multi-critères, elle doit être aussi multi-acteurs. On l'a vu dans le framework de Kaplan-Norton, multi-cibles. Et donc maintenant, on va voir un exemple de projet avec Yann Reynaud. Un projet donc, qui s'appelle Vitirev, dont l'objectif est la réduction des pesticides dans le domaine viticole. On va voir qu'il y a des impacts directs qu'on appelle les impacts de premier ordre et puis des impacts qu'on peut qualifier d'indirects, de second ordre, et surtout les nécessités d'une approche transversale. Donc là, je donne la parole à Yann Reynaud, qui est donc coordinateur du projet Vitirev. Merci Yves. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, très bien. Très bien. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Yann Reynaud, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine, où je coordonne le projet Vitirev que je vais vous présenter, et je suis en même temps économiste au Greta. Alors avec cette première page qui fera écho à l'approche genre de Marion, qu'est-ce que je cherche à faire là sur le temps court qu'on a? C'est surtout le fait d'illustrer au travers d'un projet concret, Vitirev, la boucle de rétroaction positive qui va se mettre en place entre deux enjeux, la définition des impacts,
en tant que processus mobilisateur pour la communauté, et le deuxième enjeu de la recherche d'inclusion de parties prenantes, ce qui ne va pas de soi comme action au sein d'un projet, et qui va sans cesse remettre en question cette définition d'impact, donc l'un venant enrichir l'autre, la définition des impacts et l'inclusion des parties prenantes. Alors, de quoi on part avec Vitirev? Sur une nécessité d'agir posée pour la filière viticole au niveau régional et les professionnels, la nécessité d'agir sur une attente sociétale forte en matière d'impact environnemental pour la question de l'environnement et de la santé des utilisateurs comme des riverains, voire des consommateurs. Qu'est-ce qu'on a proposé avec Vitirev? C'est une sorte de projection des acteurs et surtout des territoires viticoles à horizon 2030, un exercice collectif, alors qui marque une différence par rapport à ce qu'on a vu jusque-là, à savoir que Vitirev n'est pas un projet de recherche, mais un projet de territoire porté par une collectivité territoriale, mais qui implique en premier lieu la recherche. Alors pourquoi est-ce qu'on implique la recherche particulièrement? C'est que c'est le sujet de l'impact environnemental de la viticulture, c'est une vraie question pour la recherche. On part déjà du constat qu'on n'a pas les solutions. Là, vous avez une image assez flagrante entre, à gauche, un traitement conventionnel de la vigne, et à droite, une vigne qui, telle qu'elle, serait mise sans traitement. Ce que nous montrent les professionnels, c'est que 8 années sur 10, on sort de là sans rendement. Donc, actuellement, quand bien même on a des techniques plus économes en intrants ou qui font le choix de certains intrants et pas d'autres, exemple l'agriculture biologique, pour l'instant on n'a pas la solution de ce qui est attendu par la société, à savoir une vigne parfaitement sans pesticides. Alors cet exercice de définition d'impact qui a mobilisé en premier lieu ce qu'on appelle les membres fondateurs de Vitirev que vous avez en haut, qui va d'un continuum allant de la recherche aux acteurs de l'innovation, les institutions et les professionnels, montre qu'on est capable déjà de se projeter dans le temps, de transformer une contrainte en opportunité, c'est-à-dire la société nous demande de réduire, voire de sortir des phytos. Bon, mais profitons de ça pour revaloriser les produits, sortir par le haut en créant de la valeur sur les produits, mais aussi sur les territoires viticoles qui peuvent être éloignés des métropoles, font face à un manque d'attractivité, etc. Donc les objectifs auxquels arrive ce premier consortium, vous le voyez, ils sont en bas. On est avant tout sur des objectifs techniques, la recherche d'impact technique qui ne parle pas forcément à tout le monde, avec des sigles, etc., mais qui relève d'une compréhension par les acteurs internes de la filière de ce que demande la société avec une série de filtres. Sauf que Vitirev a eu cette stratégie salvatrice, je pense, de fonctionner avec une stratégie d'implication des parties prenantes. Et pour le faire, elle s'est tournée du côté des méthodes d'innovation ouverte et de ce qu'on appelle les Living Labs, les laboratoires vivants, pour essayer de recréer au sein du projet Vitirev des territoires qui vont se définir comme laboratoires d'innovation territoriale. Donc ça veut dire Living Lab, mais à la sauce Vitirev. On s'est réapproprié les règles du Living Lab sur des systèmes agricoles, en impliquant sur des territoires des acteurs qui, historiquement, a priori, n'ont rien à voir avec la vigne. Donc, c'est-à-dire mon voisin, la directrice de crèche qui est impactée, avec les parents qui se posent des questions, le commerce qui était à côté, etc. Et ce faisant, on arrive finalement à tirer la ficelle en partant de cette question de réduire, voire de couper les pesticides, à un ensemble d'enjeux, d'implications qui vont faire sens pour cette communauté fédérée sur les territoires. Et c'est là qu'on va voir qu'effectivement, les dispositifs classiques qu'on a ne peuvent pas répondre ou répondent que mal ou partiellement à l'enjeu plus global qui est généré dès lors qu'on donne un vrai moyen à cette communauté de parties prenantes de tirer la ficelle de la réduction des pesticides jusqu'à ce que ça engage réellement. Donc c'est forcément une approche transversale qui se met en place, qui amène à revisiter complètement les dispositifs des structures comme la région Nouvelle-Aquitaine, qui amène une difficulté tout de suite, c'est qu'on va partir sur un temps long. C'est-à-dire que certes, on se donne l'objectif d'être plus impactant, d'aller plus loin, mais on est face à des choses qui ralentissent. Alors, notamment pour le voir du point de vue de l'intérieur de la région Nouvelle-Aquitaine, on est face à un projet, un processus
qui va complètement revisiter les processus. La région Nouvelle-Aquitaine, elle a l'habitude de produire des aides pour des bénéficiaires. Or là, les bénéficiaires n'ont pas envie de s'appeler bénéficiaires. Avant tout, on a des collectifs qui se mettent en place, qui ont besoin d'être accompagnés. Et le processus ne va pas pouvoir être projeté sur les 8 années de Viti Rêve, mais va être sans cesse remis en question. Alors, tout ça se fait bien sûr avec quelques frictions, des difficultés de tempo. Celui des Living Labs, qui va mettre du temps à produire ses fruits, notamment, est difficile à mettre en place avec les propres, on parlait de rendre des comptes tout à l'heure, la propre reddition des comptes au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine et de ses élus. Voilà. Mais c'est un processus qui transforme en profondeur les infrastructures et les organisations qui participent, et c'est tout à fait intéressant à caractériser dans le temps, dans la création des impacts à suivre. Voilà, je vous remercie et je suis ouvert à vos questions. Très bien, merci beaucoup Yann. Donc, sur la dernière présentation, en fait, un peu comme ça a été le cas ici, on va un peu fermer la boucle, je dirais, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mesuré l'impact, on va regarder quelles actions on peut commencer à mettre en œuvre. Donc là, on va avoir une présentation de Jérôme Hidvert, donc qui va nous expliquer justement en santé publique comment on peut concevoir des interventions en santé publique lorsqu'on a mesuré l'impact d'un phénomène social ou sociétal majeur sur les comportements des populations. Donc, Jérôme est professeur en sciences de gestion à Bordeaux Population F et il va nous expliquer tout ça. Merci beaucoup. Oui, juste, je précise, je suis professeur d'économie à l'ISPED et plus précisément au Bordeaux Population Health, qui est le centre INSERM de santé publique à l'Université de Bordeaux. Donc, je ne vais pas vous parler d'un modèle, hein, je vais simplement vous parler des questions qu'on se pose ou qu'on peut se poser en santé publique quand on parle d'impact sociétal. Quand on parle de santé publique, on a envie de dire que la cible de transformation, comme a été évoqué tout à l'heure, elle est toute trouvée, hein, c'est la santé des populations, comme le nom de la discipline l'implique. D'ailleurs, dans le modèle ASIRPA et dans les ODD, la santé est une des dimensions évidemment inévitables de mesure de l'impact sociétal. Mais là, je voulais simplement un petit peu venir, pas en contradiction, hein, mais venir interroger cette idée que la santé doit être la cible de transformation. C'est effectivement le cas, mais il y a un objectif qu'on peut appeler intermédiaire, qui est la plupart du temps indispensable, qui est celui des comportements individuels, pas que des comportements individuels. On a parlé il y a un instant des comportements organisationnels, mais moi, je vais cibler plutôt ma présentation sur la question des comportements individuels. Puisque la santé publique produit, et la santé publique bordelaise en particulier produit et a beaucoup produit de connaissances sur les facteurs de risque et les déterminants de l'évolution de l'état de santé, et que c'est évidemment une connaissance absolument indispensable, mais qu'elle n'est pas suffisante. Elle a évidemment un impact qui est difficilement attribuable, hein, si je vous parle des 5 fruits et légumes par jour, c'est évidemment le fruit d'une connaissance produite en épidémiologie depuis des dizaines d'années. Elle a eu un impact sociétal, mais elle a eu un impact sociétal extrêmement variable. Elle n'a évidemment pas eu un impact homogène, et donc elle n'est certainement pas suffisante dans un objectif d'une santé, d'une bonne santé, d'une santé publique de bonne qualité partagée. Ah, je ne sais pas si ça passe, je n'ai pas l'impression si c'est passé. Alors, je marque ici une question de comportement et je commence par dire que la pandémie était un révélateur de cette évidence, évidemment, mais parfois il y a des évidences qui nous échappent. Hein. On ne peut pas avoir la plupart du temps d'action de santé publique efficace sans essayer de modifier, d'influencer les comportements individuels. Et on a parlé, vous avez sans doute entendu parler de la faiblesse de la santé publique, on ne parlait pas de la recherche en santé publique, mais de la santé publique dans les organisations, quelles qu'elles soient, à l'université, dans les administrations, dans les entreprises, parce qu'il y a une conscience relative de l'importance de s'attaquer au comportement, hein, en pensant que la connaissance suffit, hein, que partager la connaissance, que diffuser la connaissance, que faire des grands programmes de diffusion de la connaissance sur les facteurs de risque vont suffire ou sont suffisantes pour faire évoluer la santé des populations. Donc, on le sait depuis longtemps, mais encore une fois, la pandémie l'a révélé de manière assez brutale, que tout est question en santé publique, la plupart du temps, de comportement. Alors, ces comportements, on l'a dit aussi, on a parlé tout à l'heure dans les ODD de plancher social, hein,
ils sont inscrits dans un contexte, hein, dans un contexte qui peut être stressant ou menaçant ou vécu comme tel. Et les comportements individuels en matière de santé, mais pas qu'en matière de santé, c'est bien entendu beaucoup plus large, sont inscrits dans cet environnement sociétal, qu'il soit objectivable ou objectif, ou qu'il soit vécu comme tel, hein, puisque perception, émotion, confiance sont certainement des déterminants majeurs des comportements, bien entendu. J'ai inscrit ici confiance parce que la France se distingue en particulier dans les grandes enquêtes internationales sur la confiance en son voisin, la confiance en son collègue, la confiance dans les institutions par des résultats extrêmement négatifs de ce point de vue-là par rapport à nos principaux voisins européens, ce qui fait une spécificité, on va dire, de la société française de ce point de vue. Je mentionne ici le grand programme de recherche HOPE qui a bénéficié d'un financement et qui va justement s'attaquer, pas uniquement dans la dimension de santé publique, hein, dans d'autres dimensions, qui va s'attaquer à réfléchir à l'impact de ce contexte sur les comportements, et notamment les comportements pouvant impacter la santé publique, et qui mobilise un certain nombre de disciplines et de laboratoires sur le campus de l'université. Alors, la question que se posent les chercheurs en santé publique, c'est la bonne intervention. Comment concevoir la bonne intervention? C'est une dimension absolument centrale. Et concevoir la bonne intervention, c'est évidemment essayer de comprendre quels sont les déterminants des comportements individuels. Et pour être un tout petit peu plus concret, pour finir, je voulais évoquer deux projets qui vont structurer dans le projet HOPE la partie santé publique du projet. C'est un premier projet qui est fondé sur une intervention visant à former les professionnels intervenant auprès de jeunes enfants, donc avant scolarisation, en milieu défavorisé. Donc, ce sont des programmes qui ont été développés notamment par Sylvana Côté, hein, au Canada et en Amérique du Nord, et qui ont démontré des effets assez spectaculaires, hein, sur la très longue période, avec des éléments de preuve importants, avec des suivis de groupes contrôle, avec des impacts très importants, et pas seulement sur la santé, hein, tout est lié, pas seulement sur la santé, mais sur la réussite scolaire, sur la délinquance. Et donc l'idée du projet, c'est d'essayer de construire ce type d'intervention, mais dans le cadre français, qui est un cadre très particulier, en raison de la généralisation des crèches, hein, de la prise en charge particulière en France des jeunes enfants, notamment des jeunes enfants en voie scolarisation, pour essayer de concevoir des interventions qui puissent avoir le même impact que les interventions qui ont été non seulement expérimentées, mais aussi développées, hein, diffusées en pratique courante, hein, puisque c'est bien l'objectif. Pour qu'il y ait un impact sociétal, il faut que ces interventions se diffusent, hein, soient mises à l'échelle, comme on dit, dans la vie courante. Et puis un deuxième projet qui est, lui, plus, on va dire, conceptuel, qui vise à s'intéresser aux mécanismes déclencheurs d'initiation des comportements addictifs. Alors évidemment, il y a de très nombreux travaux dans toutes disciplines qui se sont intéressés à cette question, mais l'objectif ici précis, c'est construire une intervention. C'est comprendre pour construire une intervention avec des objectifs immédiatement applicables dans la politique publique, qu'elle soit au niveau local, régional ou national. Donc voilà le type de projet que l'on est déjà développé au BPH depuis quelques années, mais qu'on va chercher à développer encore plus, notamment dans le cadre du GPR HOPE. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, ben, on va commencer à prendre des questions pour animer la discussion, et notamment parce que dans le forum de discussion, il y a des questions pour Pierre-Benoît. Notamment, il y a une première question qui était comment s'assurer de la bonne sélection des études de cas pour l'Université de Bordeaux, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on puisse rapprocher les études de cas que vous avez menées avec le cas de l'Université de Bordeaux. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est a priori, c'est pas du tout impossible. On pourrait s'appuyer en fait sur l'expérience de ce qui se fait en Angleterre ou aux Pays-Bas. Alors, par exemple, en Angleterre, en fait, par composante, on dit, quand on fait l'évaluation, on dit, ben voilà, vous avez 5 études de cas. Et donc, vous choisissez dans la composante, alors ça peut être une unité de recherche, un département d'enseignement, enfin, ce que vous voulez, quoi. Donc du coup, ça, c'est une idée qui est assez simple de mise en œuvre, qui permet d'avoir une très grande diversité
Et voilà, donc on va remonter des choses qui sont très hétérogènes, mais c'est justement, voilà, c'est pas inintéressant. Ensuite, effectivement, la contrainte, ça va être d'avoir un équipement organisationnel pour que les études de cas soient réalisées sur un standard commun. En fait, dans le cadre du REF, hein, en gros, c'était 5 études de cas sur la période d'évaluation. Donc, c'était les 5 meilleurs exemples d'impact sociétal pour un département sur une période donnée. Le format, en fait, c'était juste une mise en récit. Hein. Ensuite, il y a eu beaucoup de... Ils ont fait remonter comme ça au niveau Royaume-Uni pour toutes les unités, 6 ou 7 000 études de cas. Enfin, voilà. Donc, du coup, il y a des solutions assez simples. Il se trouve que pour l'INRA, on disposait en fait d'une base de données qui était la base de données des faits marquants. Et donc, on avait depuis 1995, effectivement, un certain nombre de cas qui avaient... Donc, ce n'était pas du tout conçu pour une évaluation d'impact, mais ça permettait effectivement d'avoir une base de données assez riche. Et ensuite, on a eu des entretiens avec tous les chefs de département pour demander dans leur département qu'est-ce qu'ils considéraient comme cas important qu'il fallait faire. Voilà. Donc, la question qui est liée, en fait, c'est celle de Yann, c'est quoi une étude de cas, au fait ? Alors, c'est toujours une excellente question. On a beaucoup réfléchi à ça. On a réfléchi aux formules de théâtre, le théâtre classique, donc unité de lieu, d'action, de temps, etc. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit... Donc, la façon dont on peut l'exprimer de façon simple, c'est qu'on part d'une transformation observable. Alors, évidemment, cette transformation observable, elle peut être à différents niveaux. Et c'est une transformation observable pour laquelle on peut facilement raconter une histoire. Donc, il y a un point de départ, un point d'arrivée, il y a un processus qu'on peut retracer. Alors, je peux prendre des exemples hein, sur lesquels on a travaillé. En fait, une des contributions des recherches de l'INRA, c'était sur l'amélioration des conditions de fertilisation, notamment fertilisation azoté, et donc on a fait une étude de cas sur des outils d'aide à la décision au niveau des agriculteurs qui permettent de diviser la quantité d'azote par deux avec les mêmes rendements. Donc c'est vraiment une amélioration de l'efficacité de l'azote. Et donc ensuite je pourrais dire les différents, enfin vous voyez bien que ça a des effets économiques et des effets environnementaux. Hein. Donc, il y a les deux dimensions d'impact qui sont concernées. Mais on peut se poser la question, plus globalement, en fait, de l'impact de l'INRA sur la fertilisation azotée en général ou bien azote, phosphate, potasse. Donc, du coup, et ça, on a fait varier effectivement les échelles. Mais on ne peut pas raconter une histoire sur l'ensemble de la contribution de l'INRA depuis les années 50 sur la fertilisation azotée. On peut dire des choses, mais en fait, ce n'est pas une étude de cas. Voilà, donc, du coup, on s'est posé pas mal de questions, mais c'est peut-être par le filtre des outils qui sont utilisés qu'on arrive à dire c'est une étude de cas qu'on peut analyser. Mais il y a toujours, effectivement, des choix qui sont un peu arbitraires. Hein. Il n'y a pas une définition, il n'y a pas un algorithme qui permet effectivement de définir précisément une étude de cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une autre question sur le chat. Il y avait une question qui était intéressante sur la notion de qualitatif-quantitatif, parce que c'est vrai qu'on se pose toujours la question en termes d'évaluation. Est-ce qu'on peut efficacement évaluer de manière qualitative ? Voilà. Oui, alors en fait. Est-ce qu'il y a des méthodes qualitatives de l'évaluation d'impact ? Oui, donc je peux expliquer ce qu'on a fait hein, très, très, très rapidement. Bon, donc le premier principe, c'est effectivement qu'on a différentes dimensions et on n'a pas du tout cherché, c'est possible, ce serait possible dans certaines limites de tout ramener en fait. Pour les économistes, l'analyse coût-bénéfice, en fait, on peut faire effectivement une analyse où on ramène tout dans un équivalent monétaire. Bon, ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu faire parce qu'on considérait qu'il est important en fait, que l'INRA puisse rendre compte des effets de ses recherches, des impacts de ses recherches dans différentes dimensions.
Et donc, ramener tout à une dimension monétaire n'était pas un objectif qui était souhaitable. Derrière, effectivement, enfin, on a eu beaucoup de discussions, vous pouvez l'imaginer là-dessus, parce que les économistes souhaitaient cela. Pourquoi ? Parce que derrière, ça permet éventuellement de faire des calculs de taux de rendement. Bon, nous, on vous, enfin, voilà, donc, je ne vais pas reprendre toutes les discussions, mais en tout cas, on a fait ce choix méthodologique. Dès lors qu'on fait ce choix, en fait, comment on a procédé ? En fait, quand on fait une étude de cas, en fait, on prend toutes les données disponibles, et donc, si je reprends mon exemple de fertilisation azotée, avec Azofert, en fait, on avait une donnée qui était utilisée par les acteurs, c'était une donnée qui était observée, c'était réduction de la dose d'azote de 50%, donc divisé par deux. Donc ça, c'est quantitatif, en fait. Hein, donc, mais c'est un quantitatif qui est, nous, on appelle ça un descripteur, c'est-à-dire c'est une quantité qui est donc estimée par les acteurs, mais évidemment, la question, voilà, ensuite, on peut avoir la réduction de l'azote, on peut avoir les effets sur la qualité de l'eau, etc. On peut avoir les effets sur la mise en place d'organisation avec, ça peut être des effets de quantité de membres dans les organisations, etc. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir comment on passe dans ce qu'on appelle, nous, des descripteurs. Hein, les descripteurs, c'est vraiment des mesures qui sont apportées et à utilisées par les acteurs. Et dans ce que disait Yann, en fait, pour moi, c'est des descripteurs, en fait. Hein, ce n'est pas des indicateurs d'impact. C'est vraiment, voilà, je veux gagner 20%, je réduire mes CMR hein, de temps. Voilà, donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment des descripteurs. Ensuite, effectivement, quand on a une cinquantaine d'études de cas, si on en reste aux descripteurs, on ne peut rien dire, parce qu'on n'a pas du tout de commensurabilité. Donc, ce qu'on a fait pour chacune des dimensions, et c'est vraiment un gros boulot, construire des barèmes. Alors, sur l'économique, c'est assez facile, finalement. En gros, on peut avoir un équivalent surplus, et ensuite, on a une échelle, et on peut dire, voilà, au-delà d'un milliard d'euros, ben, en fait, on est à l'échelle 5, etc. Bon, il y a une part d'arbitre. Enfin, j'explique pas comment on a fait, mais donc... Et donc, du coup, ça permet en fait d'avoir vraiment des comparaisons entre les cas, vous voyez. Pour l'impact sur les politiques publiques, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des choses qui sont extrêmement hétérogènes. Donc, ce qu'on a fait pour les politiques publiques, par exemple, on a fait une étude assez exhaustive de la littérature sur le sujet pour dire en fait quelles sont les différentes sous-dimensions de l'impact sur les politiques publiques. Donc, il y a évidemment des effets observés qui sont liés au fait qu'il y a un message qui vient de la recherche qui est traduit. Souvent, on a des dispositifs, des équipements de la recherche qui sont utilisés, par exemple, des technologies de comptage pour tout ce qui est biodiversité, voilà, des indicateurs qui sont produits par la recherche et qui permettent ensuite d'avoir, par exemple, des règles de capture pour les saumons dans les cours d'eau. Bon, donc, mais l'impact sur les politiques publiques, ce n'est pas que ça. Il y a aussi un impact sur le débat public, donc sur les idées. Et donc, on a pris ça en compte. Et puis, il y a des phénomènes de percolation, c'est-à-dire des phénomènes de culturels qui sont beaucoup plus longs. Et donc, on a pris un panel d'études de cas dont on disposait, et on a réuni des experts, et on leur a demandé de noter les études de cas dans les différentes dimensions qui étaient identifiées à partir de l'étude de littérature. Et ça, c'était bon pour noter les études de cas, voir comment, enfin, on avait évidemment des accords entre les experts qui étaient une source de discussion. Mais ce qu'on a pu faire à partir de ça, c'est établir un barème, c'est-à-dire établir des caractéristiques des cas qui permettent de donner telle note. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a procédé. Donc du coup, ça permet, alors vous pouvez dire que ce n'est pas grand-chose, en fait, c'est des notes de 1 à 5,
Mais c'est déjà beaucoup, en fait, parce que ça permet de faire des comparaisons intercas qui sont assez robustes. Du coup, moi, je trouve que la réflexion sur les ODD, elle est intéressante, mais la question, c'est celle des métriques. En fait, quand on est sur les ODD ou les donuts, en fait, très souvent, en fait, on fait de l'étiquetage, quoi. Mais ensuite, essayer d'avoir une estimation aussi fruste que celle qu'on a, hein, de finalement d'amplitude de l'effet, c'est vraiment très difficile. Donc du coup, là, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Mais comment dire, par rapport à d'autres méthodes, on voit tous les bénéfices en fait de l'estimation effectivement quali-quanti des effets des cas, parce que ça permet effectivement, enfin ça c'est très complémentaire de tout ce qu'on fait sur l'impact pathway. Donc on a analysé effectivement comme nous avons une indication des différentes de l'importance relative de l'impact, en fait on peut essayer d'analyser comment les caractéristiques de chemin d'impact jouent sur les caractéristiques des transformations. Merci beaucoup pour cette réponse. Stéphane, je pense que tu voulais intervenir aussi, faire une petite précision. Oui, alors moi je reviens en fait sur cette notion d'acceptabilité de cette notion d'impact. Et alors il existe des domaines dans lesquels la mesure d'impact est relativement facile, d'autres est beaucoup plus compliquée. Mais il me semble aussi que c'est important de prendre conscience que le pilotage par cette notion d'impact pourrait avoir, à mon sens, des effets à rebours sur le comportement des chercheurs. Je prends un exemple très simple me concernant directement. J'avais publié un article sur un sujet de tableau de bord. Bon, mais si on m'avait dit tu vas être jugé à l'impact que pourrait avoir ton article sur les entreprises, je pense que j'aurais agi différemment. J'aurais essayé de contacter des entreprises ou des associations de dirigeants pour mieux communiquer sur mon article et qu'au fond, il se diffuse mieux et qu'il ait ce fameux impact. Donc, il y a un effet à rebours qui me semble assez intéressant. Et puis, l'autre point qui a été évoqué dans l'une des présentations précédentes, c'est, et qu'on voit au travers du projet HOP, qui est dirigé par Olivier Barguin, c'est cette notion de compréhension aussi des acteurs environnants et des parties prenantes. Et il n'y a pas effectivement forcément de génération spontanée et de comportement spontané. Et donc, le fait de comprendre aussi comment les acteurs environnants et notre écosystème fonctionnent, c'est aussi une façon d'améliorer notre impact. Voilà, c'est ce que je souhaitais rajouter. Juste un complément, si tu permets, Yves, là-dessus. Oui. Oui, donc, toute recherche n'a pas à générer des impacts. Hein, on peut très bien faire de la recherche, produire de la connaissance pour de la connaissance. La question se pose quand on veut faire de la recherche pour faire des transformations qui sont désirées. Et c'est là qu'on a besoin de cet équipement. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la recherche excellente par ailleurs. Hein. Donc, il faut, je pense, se départir de cette idée, effectivement, quand on fait de la recherche orientée vers l'impact, on a un pilotage de la recherche par l'aval, en fait, pas du tout. Enfin, je pourrais détailler avec des exemples, mais vous voyez, et donc, du coup, il y a un enjeu très, très fort, en fait, à avoir des méthodes qui soient assez élaborées, pour ne pas tomber sur des pratiques qui soient trop caricaturales par rapport à l'objectif recherché. D'accord, merci beaucoup. Donc, juste avant de rendre la parole à Antoine et Olivier pour la conclusion, donc pour résumer en effet la discussion, c'est donc bien définir une méthode concrète partagée par l'ensemble des acteurs, une méthode qui soit multicritère, une méthode qui définisse d'abord les transformations attendues, ça c'est ce qu'on a pu aussi entendre, le rôle aussi de chaque programme, de chaque projet dans ces transformations, avoir une démarche séquentielle et itérative, ça c'est important aussi, et puis bien sûr la place de l'humain dans cette démarche, elle est très importante, tant pour l'évaluation que pour l'impact que peuvent avoir les transformations sur l'humain. Ça je pense que, notamment dans notre système à nous, c'est fondamental. Sur ces conclusions, je laisse la parole à Antoine et Olivier pour conclure ce workshop, et je vous remercie à tous d'avoir à peu près respecté le timing. Et d'avoir fait des présentations fort intéressantes. À mon tour, je tiens à
remercier tout le monde. Mais je voulais juste vérifier avant, est-ce qu'il n'y a pas parmi les panélistes certains qui voulaient... Benoît qui voulait s'exprimer, non ? Il y a Benoît qui voulait poser une question, mais peut-être ceux qui sont intervenus, est-ce que vous voulez réagir ? Yann, est-ce que les précisions apportées par Pierre Benoît sur les études de cas, etc., si tu voulais réagir par rapport à ça ? Une dernière petite question de Benoît, et on fera du coup une conclusion très rapide, puisque je vois qu'il reste encore quelques minutes. De mon point de vue, c'est bon, les éclairages apportés par Pierre Benoît étaient tout à fait éclairants. Après, je pense que voilà, on pourra ce genre de moment, de toute façon, c'est l'histoire de créer des liens entre nous et on pourra poursuivre pour la suite. Mais je laisse la place s'il y a d'autres questions qui viennent de l'Assemblée. Oui, alors Benoît. Ouais, donc, bonjour, moi je suis donc Benoît Dentillac, je suis directeur général des services adjoints à l'Université de Bordeaux. Et je pilote un pôle pilotage et data stratégie dans lequel il y a toute une partie autour du contrôle de gestion, donc qui produit tous les tableaux de bord de l'université, toute la mesure d'indicateurs d'activité. Il y a aussi toute la planification stratégique qui donc accompagne les candidatures aux appels à projets et les structures qui aussi accompagnent la mise en œuvre de ces projets jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu inscrits dans nos process. Donc, en fait, plusieurs années, on a suivi cette sémantique à changer de pilotage par indicateur ou par la donnée, pilotage par la performance. Et je confirme le fait que depuis maintenant quelques temps, le pilotage par l'impact devient quelque chose qui revient régulièrement. Du coup, moi, je fais un petit pas de côté par rapport aux échanges d'aujourd'hui, pour reprendre l'expression d'Antoine. Et je m'interrogeais par rapport à l'activité stratégique de l'université qui veut mesurer son impact globalement à tous les niveaux, hein, que ce soit de son impact en termes d'impact par rapport à des appels à projets qui financent son activité ou par rapport à son activité régalienne, par rapport à tous les échanges qu'on peut avoir sur nos territoires, vers qui on pourrait se porter pour avoir des retours d'expérience de collectivités qui sont rentrées concrètement et efficacement dans ce pilotage par l'impact pour qu'on puisse nous-mêmes avoir des échanges avec eux sur les méthodologies, sur la réalité de ce pilotage par l'impact. Et deuxième question, vers quel scientifique on peut se porter, ou quel laboratoire ? Nous serions assez preneurs, je pense aussi, d'avoir une espèce d'ambassadeur ou de sponsor plus scientifique ou académique pour nous accompagner, nous, dans cette réflexion-là, comment nous, structure d'aide au pilotage, nous passons d'un pilotage qu'on a essayé pendant longtemps de faire plutôt par la performance, et donc on mettait le résultat avec les moyens associés à ce que vous appelez aujourd'hui le pilotage par l'impact. Donc, comment on pourrait construire une collaboration sur ces thématiques-là, mais concrètement sur des objets d'observation de l'Université de Bordeaux. Voilà, je vous remercie. Alors, moi, peut-être je peux intervenir pour avoir un premier élément de réponse. D'abord, de mon point de vue, la mesure de la performance et la mesure d'impact sont complémentaires. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas penser qu'on va abandonner la mesure de performance au profit de la mesure d'impact, parce que la mesure de performance, ça nous permettra de regarder un peu comment on est sur notre trajectoire. La mesure d'impact montrera un peu où est-ce qu'on est arrivé ou est-ce qu'on n'est pas encore arrivé. Donc, ce sont deux choses qui sont, à mon avis, complémentaires. Je n'ai pas, moi, ma connaissance parmi ceux qui travaillent sur la mesure de performance, beaucoup de labos qui ont commencé à avoir des méthodos très, très structurés sur la mesure d'impact qui soit complètement multicritère, à la fois formation, recherche, voilà. Mais après, je peux me tromper, je ne sais pas. Je peux essayer de répondre, Yves ou... Oui, bien sûr. En fait, il faudrait définir tous les termes. Hein. Le pilotage par l'impact, en fait, moi, dans ma conception et mon expérience, c'est quelque chose qui doit être vraiment très distribué et très partagé. Donc, du coup, le rôle des services généraux, c'est plutôt un rôle d'accompagnement et de capacitation des acteurs pour que les acteurs puissent embarquer cela. Enfin, je suis vraiment en ligne avec ce que disait Eric, hein, c'est Eric Massé, hein, en début de séminaire. C'est vraiment une question d'équipement des acteurs. Et donc, moi, je dirais, bon, mesure de l'impact, OK, mais vous voyez toutes les difficultés qu'on a à le faire. Et pour moi, la mesure de l'impact, c'est plutôt un outil au service d'un meilleur pilotage, mais un pilotage dans le cadre d'une gestion adaptative. Hein. Donc, tous les termes sont importants. Et donc, là, il y a vraiment
on pourrait en discuter, mais il y a vraiment une révolution culturelle qui est très, très importante. Mais j'insiste là-dessus. Alors, ensuite, les ressources. Benoît, les ressources, elles n'existent pas vraiment. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de solution. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent là-dessus. Il y a beaucoup de réflexions. Donc, il y a beaucoup de. Donc, du coup, moi, il me semble que ce qui serait vraiment intéressant. Alors, je pourrais vous donner des contacts en France et à l'étranger. Hein, mais il me semble que pour l'Université de Bordeaux, essayer d'entrer dans un réseau de pairs, d'organisations pairs, hein, où ces choses-là sont travaillées, ce serait la meilleure chose. Ensuite, moi, il me semble que ce qui serait fantastique, c'est d'arriver, et je pense que ça doit être possible, d'arriver à convaincre vos collègues en sciences de gestion, en sciences sociales, en économie, qui peuvent avoir des compétences nécessaire pour s'approprier et développer ces méthodes d'entrer dans la danse. Donc, il y en avait plusieurs, je pense, autour de la table aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très favorable de façon à vraiment développer des compétences, quoi. Merci beaucoup, Pierre-Benoît. Enfin, merci surtout pour cette invitation parce que vraiment la meilleure conclusion qu'on puisse faire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour mobiliser nos compétences sur cette question de l'impact. Moi, je retiens déjà, je trouve que je découvre un peu la complexité peut-être sous-jacente à cette question de mesure d'impact. C'est vrai que c'était un peu troublant pour moi d'arriver à faire la jonction entre ce que tu as présenté, ta méthode, et puis finalement, les ODD, où ça paraissait simple, on avait la grille, il suffisait de mettre les flèches vers en bas, vers en haut, dans la grande matrice. Ah, Sylvie n'est plus là pour réagir. Mais on sent bien que derrière, il y a du travail à faire, il y a de l'espace pour du développement méthodologique. Et surtout, si on veut embrasser l'ensemble des activités de l'université, si on veut réfléchir, puisque je pense que notre préoccupation est par rapport à l'intervention introductive d'Éric, c'est aussi une préoccupation sur les impacts négatifs de nos activités, qu'elles soient à travers nos grandes missions, mais aussi en tant qu'institution, avec notre empreinte, etc. Donc, oui, l'objectif de cette réunion, c'était peut-être d'ouvrir, de nous ouvrir tous à ces réflexions, comme le disait Yann, à créer des connexions entre nous, et il faudra poursuivre. Mais c'est vrai que si ce que tu recommandes, Pierre-Benoît, c'est-à-dire si jamais il y a des acteurs motivés qui voudraient se saisir de ça, j'entends une demande qui provient de notre administration à travers Benoît Dintillac. Donc, je pense que là, il y a vraiment une attente qui est très, très large de la part de la communauté universitaire, et donc une dynamique à créer autour de ça. En tout cas, c'est une question qui est au centre du projet ACT. Donc, ACT essaiera d'accompagner, bien sûr, toute forme de dynamique autour de ces questions-là qui nous concernent tous. Encore une fois, c'est revenu comme une expression assez spontanée dans les réflexions sur la stratégie, comme étant une interpellation à dire finalement, chacune de nos activités, chacune de nos orientations, on doit intégrer cette réflexion de l'impact parce qu'il faut réagir. En tout cas, merci beaucoup, Pierre-Benoît. Merci à tous les intervenants qui nous ont apporté des éclairages très différents et je trouve très complémentaires, qui ont fait ressortir aussi des constantes. Hein, l'humain, la question du comportement, la question des temporalités aussi, je pense, est revenue à plusieurs occasions. Hein, c'est-à-dire que rien n'est figé en termes de mesure d'impact et il y a finalement des phénomènes émergents dont il faut savoir se saisir, que ce soit ou des questionnements en santé publique, en agronomie, en sciences de l'environnement. Voilà, donc on va, nous, du côté de ACT, voir quelle suite on peut donner pour poursuivre ce workshop et essayer peut-être d'engager ou de structurer une démarche. Et peut-être qu'on reviendra vers toi, Pierre-Benoît, pour à nouveau bénéficier de ton expérience dans ce domaine-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je laisse la parole à Olivier pour le mot de la fin de ce workshop. Alors, très, très difficile de conclure après une conclusion aussi complète.
Effectivement, je trouve que ce qui était assez éclairant, c'était la question de Benoît, finalement, qui a permis de reboucler sur le fait d'équiper, finalement, la communauté sur ces notions-là, est une question qui est intéressante parce qu'elle va effectivement nous donner cette dynamique-là qui va apparaître. Je retiens aussi le fait qu'on est bien sur un peu une réflexion multi-échelle, c'est-à-dire que l'université dans sa globalité doit se poser sa question de son, effectivement, de sa place dans la cité aussi, hein, globalement, de son impact, et notamment une notion de politique publique, hein, qui a été évoquée. Et là, pour le coup, ses partenaires, je pense que c'est intéressant que l'ensemble des partenaires puissent travailler ensemble, hein, à structurer sur le site, au-delà des questions internes d'organisation sur lesquelles on peut également interagir, mais globalement sur la place finalement de l'enseignement supérieur et de la recherche, globalement sur le site de Bordeaux, je pense qu'on a des choses à échanger. Et effectivement, je pense que ça doit commencer aussi à réfléchir à la manière dont on équipe l'ensemble de la communauté sur ces questions-là. Donc, merci, parce que je trouve que bravo à l'Université de Bordeaux pour l'organisation de cette magnifique demi-journée. Merci Olivier, merci Yves pour l'animation, merci Stéphane, Yann, Marion, Jérôme et Sylvie qui n'est plus là, et bien sûr merci à Pierre Benoît qui donc sera à nouveau sollicité très probablement, le pauvre. Bon, très bonne fin de journée à tous, donc à suivre pour poursuivre les réflexions collectives sur nos impacts positifs ou négatifs. Au revoir et à bientôt. Merci. À bientôt.